salutation au temps fort et à YouTube par la même occasion. Voilà, ce seront des paramètres aveugles. Donc tu disais que t'étais pas assez forte la dernière fois. Ouais, bah après surtout là il est tard donc je parle pas encore moins fort que d'habitude. Je peux t'augmenter. Tiens, t'es au même volume que à dénoter. Let's go. Ouais, du coup. Volume que Dédé. Sur ce, c'est parti. Salut Olivia, Amalgam a l'air trop bien. Ah. Ah ça. Ah non non mais on va pas parler de Tears of the Kingdom. Hein. Salut Pseudoin. Alors moi je tiens à garder ma tête dans ce stream. Regardez comme il est magnifique. Oh, il est dégueulasse. Bah vous, c'est vous qui m'avez dit de le prendre. Alors les couleurs ce sont pas les bonnes, c'est surtout pour ça que c'est dégueulasse. Ah bah écoutez, moi vous m'avez dit raid, hein, j'ai pris raid. Les Argus c'est pareil, hein. J'ai pris les Argus et je l'ai recoloré, hein. Donc bon. Tu mens ? T'es un menteur ? Ah ouais ? J'ai pas recoloré. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas recoloré. Bon bah tant pis, hein, voilà. Attendez, est-ce qu'il faut faire Tower of the God ? Bon, on peut changer la seed. On va changer les donjons. On peut changer le skin. Si vous voulez, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Est-ce que vous tentez ? Est-ce que vous avez vraiment envie de changer de seed ? Ah, on va changer de... On va mettre du coup les vraies couleurs. Bon. Ouais. Hein. Du coup, par contre, ça lag. Hein. J'ai l'impression que j'ai du lag avec la capture d'écran, moi. Ah ouais. Ouais, je pense que Discord, il fait chier tout le monde, en fait. Je pense que Discord m'emmerde. C'est pas grave, je vais faire comme les plébiens du chat et je vais regarder avec le stream. Bien. Voilà la bonne réponse. Allez, on va rouvrir le randomizer. Bon, on va régénérer l'acide. Rassurez-vous. Mais comment vous allez ce soir? Comment allez-vous? Effectivement, bon. Du coup, je le mets avec la casquette normale, c'est ça? Mais les couleurs normales, surtout. Ouais, et la casquette, tu veux la casual ou non? Casquette rouge retournée ou casquette normale à l'endroit? Normal à l'endroit. C'est une référence à Sacha. Donc là, je randomise chaotically. Hein, c'est... Oh, parfait. Excellent, on va jouer avec lui. Donc là, race mode 2 donjons. Alors je vais quand même me donner... bah non, en fait, sans épée, sans bouclier, ça me plaît. J'attends de ne pas avoir de stuff au début. Ça arrive. Je vais vous montrer en preview le sprite avec lequel je vais jouer. Comme ça, vous allez savoir avant le chat. À quelle sauce nous allons manger pendant 3 heures. À quelle sauce je vais déguster. Ouais, regardez, je le trouve merveilleux. Oh pitié, pourquoi c'est un schtroumpf? C'est le random des couleurs, c'est pas ma faute. Mais c'est de la merde. Du coup, aujourd'hui, vous avez vu Tears of the Kingdom, c'est ça le chat? Alors, vous en avez pensé quoi de Tears of the Deception? Vous en avez pensé quoi? Allez, sur ce, c'est parti. Vers 3h, je vais peut-être me monter et me mettre sur mon truc pour le VOC. Parce que... Oh, fais ce que tu veux. T'inquiète, je te dis juste comme ça, tu le sais. Fais ce que tu veux. Juste comme ça. Ouais, bon. Je reviendrai après. Le randomizer devrait revenir. Ah, le randomizer. Donc c'est bon, nous salutations YouTube, évidemment. Bon, ce sera laissé parce que les VOD, voilà, si je faisais des efforts, ça se verrait. C'est que... Après, pour ça, il faut que YouTube en fasse de même, genre. Ouais, si j'avais genre des viewers... Ah merde, ça se verrait. Merde, le timer, voilà, si je faisais... Bon, ça se verrait. Du coup, tu me diras combien t'as de décalage. Voilà, il est merveilleux. Oh, il est magnifique. Tout va bien, ouais. Pas d'avis. Merci, voilà, Wizra, vous êtes contente, là? Bien sûr. Là où j'attends surtout, c'est votre réaction sur les risques. Ah oui, il ne parle pas, c'est vrai. Oui. Quoi, pas de Lézargus? Alors, on a déjà joué avec Lézargus la dernière fois, Davy. Chacun son tour. Déjà que moi, je veux rejouer avec Link DS et que vous m'en empêchez. Oh, mais fallait me le dire, moi, j'aurais dit oui. Ah non. Je voulais voir les modèles qu'il y avait, monsieur. Il a dit je veux que vous vous sentiez coupable, moi, voilà. Alors regardez, dès le début du jeu, on peut arnaquer, hein, évidemment, quand on est doué. Parce que Wizra est un peu une tricheuse aussi de Windwaker, un peu magicienne. Speedrunneuse, c'est pas la même chose.
Speedrunneuse. Voilà, regardez, regardez dans ce speedrun de Wind Waker, nous apprenons que nous pouvons ne jamais clipper là-dedans. Parce que c'est vraiment, le jeu est trop bien conçu en fait. C'est voilà. Ouais. Envie de faire un speedrun, Olivier? En fait, Zelda, il est en train de faire le bêta test du jeu, vous le savez pas, mais il va ressortir bientôt sur Switch. Ouais. Bah, dans une collection HD avec Twilight Princess. Non. Sur un ému payant avec un nouveau mode d'online à 70 balles cette fois. Ah oui, ce sera le Deluxe. Le Deluxe Ultime. Voilà. Tout ça pour faire ça. Hein. Bravo. Mais du coup, t'attends de voir ton avis. Ouais, bah oui, normal. Non, mais en même temps, ce qu'ils ont montré, faut pas se baser sur ce qu'ils ont montré. Hein. D'accord, il y aura forcément plus. Ça commence déjà. Ah ouais, une statue tingle. Oh, bah t'as quasiment pas de décalage, je te plains pas, Wizard. C'est chiant quand même. Il y a un décalage quasiment inexistant. Genre là, je saute. Et là, je ressaute. Vous voyez, le décalage est inexistant. Et là, tu ressautes, ouais. Bon, il y a peut-être 2 secondes, c'est bon. C'est les mêmes donjons, évidemment. Parce que ici, on est là pour se faire chier, évidemment. Ouais. Non, mais on veut finir vite. Oh, petit... Ah non, il a pas de cul, Red. Pas texturé, ses fesses. C'est un enfant, Zelda. Il a 10 ans. C'est vrai, ça. Oh, ça commence déjà, allez hop, c'est parti. Bon, en même temps, j'en ai besoin aujourd'hui, pour une fois, je vais pas m'en plaindre. Je vais pas m'en plaindre pour une fois de les avoir, hein. D'habitude, je les ai tout le temps, elles servent jamais à rien. Donc ça veut dire qu'on va faire Tower of the God, on va faire le donjon que j'adore péter en deux. Oui, mais le souci, c'est que les Argus, c'est pas un humain. C'est vrai. Après moi, ce genre de débat, vous savez, ça ne me regarde pas. Bon, là, on l'a fait juste pour passer une porte, on s'en branlait un petit peu. Mais là, ça peut vraiment être utile, ce truc, de le faire ici. Il a dit quoi? Sa voix est trop bas. Putain! Je pense que j'ai dit fur, mais je suis pas sûr. Ah non, hein, faites pas comme Sky. Hein. Bon, là, Wizra, tu es au maximum. Je ne peux pas te monter plus que ça. J'ai plus rien. Il est tard. Il y a des gens qui dorment chez moi. Je ne peux pas crier. C'est vrai. On va faire comme sur YouTube. Pas faire comme... voilà. Et malheureusement, je suis pas juste player. Il a dit quoi à propos de les Argus? Que c'était pas un humain? Qu'est-ce qu'il y a de mal? J'ai dit que c'était un Pokémon. Ah, c'est un Pokémon, oui. Jusque là, tout va bien. Ça va, oui. Ah non, mais c'est bon. Excusez-moi, suffit que je dise le mot de travers et je me fais flinguer, c'est ça? Oh oui, faites attention. Ici, dans ce chat, le monde est très sérieux. Ouais. Hey, 20 balles, là. Bon, bah on commence, hein, des gens à reset, hein. Si vous voulez que je vous dise, hein. Voilà, quoi. C'est le meilleur dresseur. Un jour, je serai le meilleur dresseur du Luna. Un jour. Ah bah en tout cas, c'est pas Sacha vu comment il s'est barré. Aïe. Où est Tingle? Ah. Beedle. Oh, ils finissent pareil aussi, c'est con là. Quelle idée de finir en Hull. Ta gueule aussi, ouais. Oh, une statue! Bon, tant qu'on n'a pas d'indice, je les prends. Tant qu'on n'a pas d'indice, on les prend. Jamais. Non, j'y crois pas trop. Ah. C'est rarement une bonne chose, hein, les statues. Ah, j'ai souvent eu des bons trucs sur les statues, tu serais étonné. Bah, c'est que t'as pas de chance. Ouais, bah oui, bah écoute. Bon, alors, voyons voir, Lion Rouge. Hitstone, c'est Jalala. Jalala, c'est qui? C'est le boss du Temple de la Terre. Jalala. Normalement. Tower of the God, Jalala, d'accord. Crescent Moon, Ganondorf. Oh, Ganon, ça sert à rien. Earthstingle, c'est Outset, mais on l'a eu. La magie se trouve dans la boîte aux lettres. Cyclos a une note to mom. Le Tower of the God, d'accord. Ah bah regarde, Tingle Island a le boomerang. Ah oui, non, c'est All Tingle. Oui, ok. Donc, du coup, oui, et le sous-marin de Five Stars possède le... J'ai pas lu. Ah bah ça va être utile ça. Oh la petite baguette, la petite poké flûte là. C'est ça que vous vouliez que je vois, hein.
Bon, bah, on va direct aller à 5 stars alors, j'ai compris. Je suis déçu, j'avais invité Sky, il est même pas là. Bon, qui pensait qu'on tomberait sur Sky. Par contre, attends, 5 stars. Ah oui, mais je peux le faire, non? C'est quoi qu'il faut faire là-dedans? C'est vaincre les Bokoblins. Je devrais être capable sans épée, non? Oh, on va les battre, les Bokoblins. Bokoblins! Il y a des pots dans la pièce. On va leur lancer des pots. Ah bah non, on va les tuer avec leur propre arme. C'est vrai qu'il y a ça dans le jeu. Oui, oui, il y a des custiques. Évidemment que les Arzuks ne sont pas des humains. Bah oui, si vous dites que c'est des humains, c'est une insulte. Salut Sky, bonne app. Shout-out à la sœur de Zelda, apparemment. Ouais, ma sœur imaginaire. Regardez, Sky, aujourd'hui, c'est un randomizer, on va pas tricher. Je suis avec Wizra, speedrunneuse de Wind Waker, bien sûr. Donc, Autoproclamée surtout, mais bref. Donc, on va pouvoir apprendre à... Eh bien, à... Encore plus de triche. J'espère que tu maîtrises tes stories, j'étais super sourd. Ah, évidemment. Attention, je vais juger. T'as oui, moi. L'émulateur. À mon avis, je pense que le partage Discord. Enfin, c'est pas le partage Discord là. Je partage même pas. Oh le connard. Ah non, mais en vrai, ton épée fait plus mal. Donc c'est tant mieux. Alors, je vais pas souvent avec les armes des autres ennemis. Hein. On n'est pas dans Breath of the Wild, donc excusez-moi. D'ailleurs, vous avez pensé quoi de... Ah d'accord. Vous avez pensé quoi de Tears of the Kingdom dans le chat, Monsieur Sky en fait surtout. Les autres l'ont dit, je pense, ouais. Moi j'attends votre avis avec assurance. Alors, on a les bracelets de force, hein. Évidemment, je le sais, car j'ai lu le spoiler log avant de démarrer l'acide, hein. Voilà. J'avais pas vu, il a réagi. Oui, il a mis un crône. Il est pas déjà sorti le jeu? Non, pas encore, Duduna, pas encore. Non, depuis 2017, il est sorti, c'est vrai, excusez-moi. Ouais, c'est vrai. Il est sorti sur... C'est vrai que vu ce qu'on a vu, on pourrait croire que c'est Breath of the Wild. Oui, depuis le 2017, il est là... Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Nintendo Small Let's Play, finalement. En fait, ce qu'ils nous disent pas, c'est que c'est un DLC à 60 balles. Non, pardon, 70, vu que c'est un DLCW. Aïe, aïe, aïe. Ça dénonce! Je plaisante, bien sûr, hein, le prenez pas au premier degré. Bien sûr. Bien sûr que je plaisante aussi, moi. Tot. Maggie the Lover. Oh, on a plein de petits trucs ici. Donnez-moi le jeu. D'accord, tiens, tiens. Prends-le. Papam. Papam. Zelda, vu que c'est sur Windfall, là, un petit... un petit super stream. Bah, je vais d'abord faire mes checks, là, excusez-moi. Je vais d'abord faire mes petites checks, là. Ah, mais attends. J'aurais peut-être pas dû aller là en premier. J'attends toujours le PC. Ouais, mais t'avais pas dit que c'était façon à la fin du mois. Donc, encore 2 jours, ça va. Donc, single, la maison de riche. Ah, il n'y a pas là, apparemment, dans mes checks, il n'y a pas la caverne du fond à faire. C'est très intéressant. Génial. Bon, bah, on va pas la faire alors. Si jamais, là c'est la faute du tracker. Hein. Ah, bah, super. Voilà, mon épée. Allez, une autre épée là, tant qu'à être là. Votre épée suffira. Dis ce qu'un. Ton épée suffira. Ah, le vaisseau fantôme. On le fait toujours au début des seeds. Hein. C'est toujours une garantie de bonheur. Normalement, la note tout de même, on en a pas besoin vu que j'ai pas mis les side quests à faire. Donc on se casse. Mais du coup, la rêve de l'épée, c'est un Pokémon de la 6ème génération. C'est littéralement une épée. D'accord. Elle est plus jolie que celle de Lazargus déjà. Ouais. En
fait, normalement, l'épée premier du nom, bah du coup, c'est la partie normale du Pokémon. Et normalement, en fait, il est censé avoir un bouclier. Bah, ça va être le bouclier que tu vas avoir. Quoi? Bah, l'épée de Red, elle est plus belle que celle de Lazargus. Aïe, aïe, aïe. Ah, la perle de Nelu. Ou alors... Qui l'a dit feu? Oh, c'est bon, hein. Commencez pas, vous, Sky. Hein. J'en ai déjà une là avec moi qui fait tout le temps ce genre de blague. N'est-ce pas, Wizra? Hein? Quoi? Koubé. Ah, cette musique. Ah, cette musique. C'est Monorpal. Non, c'est Exagile plutôt. Mais c'est dans la même famille. Monorpal, c'est... C'est Exagite, c'est sa dernière forme évoluée. La clé, c'est de toujours prendre son temps ici, hein, vous le voyez. Lol. Et c'est juste la version épée de Exagite, le bouclier, bah du coup, bah, ce sera le shield. Ah, j'ai cru que j'allais avoir assez d'élan. C'est dommage. Et non, malheureusement. Et encore, ce mini-jeu, il est... La maniabilité des cordes dans le randomizer, elle est vraiment bien foutue, parce que là, tu peux te déplacer. Oui. Dans le jeu oui, de base, tu ne peux pas te déplacer. Hein. C'est un truc que les gens ont tendance à oublier. Mais... C'est un ajout de la version oh Wii U. Oh mon merci. Dieu. Pididip. Quoi? T'es mauvais! Putain, la dernière fois, je l'ai one-shot ce truc, tu te fous de moi? Bon, on va refermer ça. Oh, mais c'est un coffre de merde! Bah, n'y allons pas. Merci, mon échec. J'avais pas vu en ouvrant la grille que c'était un coffre inutile. Du coup, là, non, il jouera pas mieux, pour le coup. Ah bah là, non. Non, jouer mieux. De quoi vous me parlez? Alors, j'aimerais bien avoir l'arc avant d'aller à Dragon Roost Island, parce que je pourrais faire un petit chest rage, là. Il va faire plaisir à Vizra. J'ai une petite fact. Zeldo triche mieux que qu'il joue. Littéralement. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah bah, votre magie noire est plus efficace que votre skill, quoi. Ah oui, mais en même temps, en général, la magie noire est sacrément efficace, hein. Ouais. Je sais pas si je dois tourner ça, je pense pas. Pas dans ces settings. J'ai pas mis side quest, d'habitude je les mets. Donc c'est très étrange, là, il y a plein de trucs que je dois pas faire, en fait. Que je n'ai pas à faire. Et c'est très perturbant. J'ai fait Tot, là je vais faire la maison de Riche. T'as fait TikTok? Ouais. Déjà, mais il est ouais. Sorti. TikTok. Tears of the TikTok. Oh, beaucoup d'argent alors qu'on n'a pas les Explosive Chase comme par hasard. Lol. Toujours pareil ce jeu façon. Sans sa magie, il pue la merde. Ouais, bah c'est un peu comme Zelda, c'est un peu comme mon personnage dans mes jeux. Hein. Sans ma magie. Merde. Hein. Et la treasure carte. Pas grave, on l'aime quand même, même s'il pue la merde. Oh, c'est donc ben gentil ce que vous dites là. T'as beau être une sale merde, raciste... Ah ouais, ça j'aime bien ça. Méchante... Ah ouais. Discriminatoire, on t'aime comme t'aime. Merci, vous me flattez. Bon, allez, on va exaucer le soi de Wizra. Alors va-t-il y arriver du premier coup? Non. Galère à grimper l'edge et il a raté. Ah là là. Au moins t'as réussi à la sortir frame perfect premier coup, c'est déjà ça. Ah ouais, non c'est trop tôt. Ça c'est beaucoup trop tôt à chaque fois. Ça c'est trop tard. Ça c'est trop tôt. J'ai tout. Donc voilà, l'étendue, ta magie est puissante, sorcier. Très bien, j'accepte de vous accompagner. Assassin, je sais pas trop, hein, il a pas trop la force physique pour... Pourquoi? Assassin, ah oui, quand même. Assassin, ça va loin. Hitler, non? Ouf. Et ce stream fut banni. Je savais pas que t'étais maître du gaz. C'est ce que je dis tout le temps aux gens, alors ça gaz. Donc tu dois en lâcher des biens gras en tout cas. Pour fuir! Aïe.
Bon, j'aurais été plus vite à nager, je pense, hein, directement jusqu'à l'île en question, hein, mais bon. C'est pour faire plaisir à Wizra. Bien sûr. Quelle vie, quelle île ? Là, Crescentpoon est là. Ah, Crescentpoon. Alors, c'est pas de la triche, c'est de l'astuce. Voilà, Crescentpoon. Bien joué. Voilà, bon, maintenant je peux plus partir par contre. Hein. C'est un peu après, con. La hein. Après, la question de Zelvo, c'est est-ce que t'aurais été plus rapide sans la voile rouge ? Ah, ça. Ouh, effectivement, c'est un joli pass. C'est de la triche. Oh là là, je le savais. C'est de la triche uniquement pour ceux qui ne savent pas exécuter ça. Donc, ah. Par conséquent, mauvais. L'île du spectacle se trouve par ici. Après, c'est peut-être pas ça mon pass, il y a encore un sous-marin et d'autres choses à faire ici. Donc là, il va faire nuit, on va avoir le vaisseau fantôme, ça tombe bien. Et normalement, bon, vu que j'ai fait un changement de temps, mon lion rouge, il devrait être quelque part. Non ? Non, il est encore à Mercantile, comment ça ? Bizarre, parce que moi, quand je l'avais fait, quand je le faisais sur Dragon Roost... Je me demande si tu peux y aller en nageant. Jusque dans le bateau. Toi, tu vas prendre Tarif, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'ils viennent. Qu'est-ce qui se passe, Sky ? Qu'est-ce que... C'est pas de la triche si le jeu ne t'empêche pas de le faire. C'est plutôt vrai. Bon, au pire, on va revenir en manuel Super Swim. Hein. En manuel ? Trop fort, la puissance. La puissance, du... la puissance du manuel Super Swim. Et là, on revient où ? On revient à Mercantile ? Je pense. Bah, exactement. Dans le ouais. Vous voyez, comme quoi ? Comme quoi ça fait. Déjà... J'avais déjà test. Teste déjà cette personne. Pourtant, Wizra, elle fait les mêmes blagues que toi. Vous êtes fait un ennemi, Wizra. C'est quand même triste. Tu sais, un de plus, un de moins. Aïe, aïe, aïe. Ah bon, d'accord. C'est long pour y aller quand même. Alors que vous avez la voile rapide. Et là, le jour il va se lever, check bien l'horloge là. Le jour va se lever, pile quand je vais arriver devant. Alors peut-être. Il faut que j'ouvre la carte. C'est vrai que ce jeu, ah. Est... C'est vrai que ce jeu est super bien conçu. Voilà. Coup, avec ce jeu, il était pas fini, on avait oublié ça. Lol. Bah, oh, ça va. Comme Pokémon. Non, je rigole, je rigole, je rigole. En Pokémon, vous avez le droit. Wizra est en là. Non, non, Wizra ne stream pas, elle est juste en vocal avec moi. Non, j'ai juste des privilèges de vocal. Parce que. Ah oui, en même temps, j'ai l'épée niveau 1, hein. Tu m'étonnes que ça passe mal, hein. En même temps, vous en demandez beaucoup pour un jeu de 2003. Oui, je sais. J'aime entendre ce qu'elle dit, mais elle est au maximum. C'est pas ta faute, hein. C'est juste que bah, malheureusement, je ne vois pas le coup. Là, je pourrais peut-être augmenter son micro. Attends, pas de soucis. Hop là. Voilà, est-ce que c'est mieux? Ah, c'est un peu mieux, oui. Effectivement. J'ai juste augmenté le son du micro. GG. Un jeu fait à la vite, voilà du Duna. Cette personne se prénomme Wizra exactement. En vrai oui, les Pokémon Donjon Mystère sont cool, sauf. Attends, ouais. Je sais plus c'est quel numéro. Mais ouais. Le premier sur 3DS, les portes de l'infini, je le trouve vraiment nul. Attends, ah, le truc. J'aime beaucoup aussi le celui exclu du WiiWare qui est pas sorti au dehors du Japon, il est très cool. Ah, les Pokémon Donjons Mystère sont incroyables, mais oui trop. En termes de gameplay de et de scénario, c'est pas un truc ultra incroyable, c'est cool. Mais les musiques par contre, c'est vraiment des jeux avec une bande son incroyable.
Ah, je vous laisse. Pas les derniers aussi. Le dernier, techniquement, qui était sorti en date, qui était nouveau, Mega Donjon Mystère sur 3DS, c'était très très cool. Ouais, elle a fait les oreilles. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Pensez à plus jouer à l'opus japonais, bah ouais, bien sûr. Quand même. Quand même. C'est une personne de culture, bizarre. Vous pensez quoi? Mais Sky a fait les oracles, hein, Dudina. Voilà, Dudina Sky Dudina. Voilà, Sky a fait les oracles en let's play. Bon, c'est fini maintenant, hein. Pas de chance. Ça, c'est un truc qui a toujours été là, je crois, même depuis les premiers. Il me semble, si je dis pas de bêtises, les premiers, c'était surtout axé Pokémon Starter Plante. Les plantes. Je suis plus sûr. C'est forcément une bonne personne. Ah bah, ça va. Je suis plus sûr, par contre, il faudrait que je les refasse. Ça fait assez longtemps. Donc là, le saviez-vous, il y a juste à attendre ici. Il faut pas combattre les mini-blins à l'infini. Pas obligé, ouais, en tout cas. C'est un timer. Ouais, c'est un timer. Les Zelda, ils aiment bien foutre des timers cachés. Ouais, ouais, ouais. Ça me rappelle quelqu'un d'autre sort. Oh, la commande mélodie. Ah, je l'ai pas pour le coup, le... La personne... L'explorateur du ciel, c'est le meilleur opus, apparemment. Oui, c'est ce que tout le monde s'accorde à dire. Pour le coup, c'est vrai. J'ai quand même une préférence pour PDM1, mais ça m'empêche pas que j'ai vraiment que c'est mon jeu, que les explorateurs du ciel, ténèbres et j'ai oublié le dernier, du temps, oui. Ah, j'ai pas fait. C'était mes premiers. Ah, j'ai jamais fait les. Oh, le con! Je sais que j'ai passé beaucoup, 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 beaucoup trop de temps beaucoup dans, trop. Le café oui. dans le café Spin de. Oui, bon, ça va finalement. Sky, t'aimes bien. Tout va bien. Ouf. Ce n'est pas un ennemi finalement. Oh, tu sais, c'est bon. Hein. Je suis plus une personnalité publique, je risque pas grand chose. Ah ouais? Ah, vous avez arrêté officiellement le streaming et tous ces trucs? Ça fait des mois que je stream plus. Bah, vous pouvez quand même faire un coming back, on sait pas. J'en sais rien, j'ai rien. Tu veux que je fasse quoi? Persona. Ouais, j'en ai fait, j'avais une période où j'en ai fait, mais il y avait personne. Tu veux que je fasse quoi? Ah, c'est compliqué. Bon, là je devrais être assez loin. Je sais que j'avais fait des sessions de... Là je suis assez loin, je dois encore m'éloigner un peu. Pour le mini-jeu du canon, je crois que t'es bien. Peut-être un petit peu plus loin au cas où que. Je les ai tous faits, genre perso, comme ça. C'est une de mes licences préférées, je les ai tous faits. J'ai pas terminé, parce que j'étais vraiment à la fin, mais j'ai pas terminé Persona 2 Eternal Punishment, mais sinon je les ai tous faits. Spin-off compris, Persona Q, Q2, les Arena, les Dancing. Ouais, Cascade. Le problème de ce truc là, c'est que ça te nique l'ondu, elle est quasiment morte quoi quand t'arrives. Il faut que j'ai une régène quand je vais arriver sur l'île, là, sinon je vais être mort. C'est pour ça qu'il faut manuel super swim. What? Non, j'étais bon, le jeu de merde! J'étais sur l'île! J'avoue que c'est un peu pute. J'étais sur l'île! What? Ce jeu de mort! Link s'est effondré sur l'île, sur le rivage. C'est bon, il était malheureusement, ok. Malheureusement, j'ai beau adorer Portable, malheureusement, c'est une sous-version de P3. Pas dans le gameplay, parce que dans le gameplay, ils ont retiré. Tu vois, tu te souviens le truc de l'IA que je t'avais raconté, Zelda, sur P3? Tu m'en as parlé? C'était géré par une IA. Oui. Bah, dans cette version Portable, ils ont corrigé ça, parce que c'est basé sur le gameplay du 4, parce que sorti après. Et donc ça, c'était un des bons points du jeu. Les mauvais points sont que bah du coup on passe sur un jeu tout full 2D, plus d'exploration en 3D, tu passes sur un point and click et beaucoup de gens détestent ça. Moi j'ai adoré, hein, j'ai quand même adoré Portable. Absence de cinématique, oui aussi, c'est beaucoup de gens qui critiquent ça. Voilà, j'aurais fait ça, j'étais bon quoi. Parce que selon Atlus, la PSP avait pas la puissance pour, alors que c'est complètement faux. C'est juste que c'est l'époque d'Atlus où ils savaient vraiment pas gérer des fichiers de jeu.
Leur dossier de jeu, c'était un bordel, vraiment, quand on regarde comment est structuré les CD de Persona 3 Vanilla et Persona 3 FES, c'est un bordel sans nom. Je l'ai vérifié de moi-même. Oh, je pense que donc ça c'est pue. C'est en partie pour ça qu'ils n'ont pas sorti FES à la place de portable sur les consoles récentes, du coup. Oh, ça sent pas très bon, hein, je pense. Je pense que c'est pas très bon. Oh si, c'est gagné. Voilà, si jamais vous connaissez pas cette astuce-là, mais elle est assez connue. Je pense que c'est la plus connue. Ah, ça oui, ça c'est très clair. Et le fait de pas avoir de ouais. Cutscene, ça détruit beaucoup de trucs. Un des passages les plus populaires, bah déjà... Bah, je sais pas, ouais, je comme sais prévu. Pas si c'est un spoil ou pas, mais c'est lors du voyage scolaire. Bon, je vais pas en dire plus du coup. Mais c'est durant le voyage scolaire, bon, c'est en full en cutscene, tout est là et tout. Et là, vraiment, l'ambiance est vraiment niquée sur portable, malheureusement. C'est vous le détruisez, hein, c'est vous. Okay, mais oui, c'est ça. Je me rappelais qu'il y avait quelqu'un qui jouait à Persona dans les gens. Et je me dis, c'est pseudo, mais je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Mais. En début novembre, ouais, du coup, c'est pas encore maintenant. Oh. Alors, on sait que c'est quelque chose de bien, hein, les statues de merde. C'est le boomerang. Après, sinon, P5, ça reste cool comme jeu. Et même peu importe ce que les gens disent, ça reste quand même un bon jeu. Mais ce jeu est beaucoup trop surestimé. Dans la licence en général. Vraiment, je trouve que P3 et P4 le foutent 6 pieds sous terre, P5, hein, vraiment. Ah oui, quand même. Et P2 aussi. Bah, en fait, le jeu, il a des problèmes dans le scénario qui sont un peu chiants, beaucoup. Et surtout à l'écriture d'un personnage en particulier que j'ai en tête. Misk, c'est quoi? C'est les Miski... Miskaleanus, là, le truc... Miscellaneus. Miscellaneus, voilà. C'est le truc divers, des variés. Ouais. Exactement. Genre à Dragon Roost, je vais faire la tablette du vent, qui est un Misk, par exemple. Je crois. Il est là, mon sous-marin. J'ai mis les submarines pour avoir un petit peu quand même de combat, parce que j'ai viré les combats de Secret Cave, car le système de combat de ce jeu me fait yesh. Quand t'as plus d'un ennemi, c'est au secours. Donc, après c'est parce que je suis un vieux aigri qui sait pas jouer aux jeux vidéo, mais ça, je suis un peu comme ces monstres de Tears of the Kingdom, je suis un golem. Un golem. Un golem, le golem. Oh, là, ah, la revanche. Ah, ils ont des très belles couleurs, c'est Marblen aujourd'hui. Ouais, c'est cool. Oh, une fois qu'ils sont pas immondes. Ah, je vois pas le coffre. Ah, il faudrait que je m'étende, hein. Faudrait que je me rebaisse, hein. Faudrait que je me baisse, hein. J'ai peut-être pas la distance, là. Peut-être pas la distance, hein. Eh non. Ouais, c'est à peu près ça. Le début du jeu est assez... En fait, le début du jeu est assez violent, avec tout le premier. Ah bah ça. Puis en fait à partir du deuxième, les méchants ils deviennent. Enfin les méchants ils deviennent un peu mous. Les méchants. Et que ça commence un peu à se redynamiser à partir du 4. Non du. Non, je sais plus, c'est le troisième ou c'est le quatrième, je sais plus. Enfin, à partir celui de foot à bas. Voilà. Puis ensuite on a la banque. Non la banque c'est avant je crois. Ouais la banque c'est avant la banque, je me suis toujours fait chier. Il y a juste la musique qui est là pour sauver les meubles. Ouf. Ensuite, le 5. Bon, ce 5, je vais même pas en parler. Le 6, c'est cool. Banane. Qui tu traites de banane, banane? Ah, on va déjà pouvoir aller à Tower of the God, ça vous fait plaisir. Le 7 est mai, et le 8, qui du coup a été ajouté avec Royal, est très très cool. Si cet assassin est mangeur de pizza. Putain, c'est 3. Tu manges des pizzas à l'ananas? Moi, non. Ah putain, tu m'as fait peur. Est-ce que va encore tricher dans cette... Non, il y a eu zéro triche pour l'instant, David, enfin. Quoi vous parlez? Je te jure que je t'aurais bloqué instantanément si ça avait été vrai. Non, non, je mange pas, j'aime pas. J'ai pas encore fait le... J'ai pas encore fait Gustave, quoi. Pour après, ceux qui ont la ref.
là où dans pseudo, après là où dans la narration c'est un peu lent, je trouve que au moins le jeu il sauve un peu les meubles avec le gameplay parce que pour le hookshot, sincèrement, c'est le meilleur jeu de la licence en termes de gameplay, très sincèrement. Ah bah ça, je ne peux qu'appuyer vos termes, évidemment. On a le hookshot. Alors où est-ce qu'on pourrait, le choix du site serait d'aller à Dragon Roost, mais ça me fait chier. C'est très agréable. Ah franchement c'est un truc que je trouve très dommage ça avec P3 Pro, d'origine, donc pas portable. Parce que du coup, comme je disais, portable est basé sur Persona 4 en termes de gameplay. Bien sûr. C'est vraiment, ça a mal vieilli. Ça a vraiment mal vieilli le fait que l'IA te... Oui, j'avais bien capté que c'était le 5. Je parle vraiment, malheureusement, les autres. Enfin, les autres, je parle du 3. A très mal vieilli. Le 1 aussi. Encore plus. Arrêtez. Le 2 est un de ceux qui a le mieux vieilli, je trouve. Plus Innocenting que Eternal Punishment, malheureusement. En vous entendant, je suis un monstre permanent. Quand même. Bon, allez, touchez-le, par pitié. Ah, le transphobe, je suis pas. Oh putain, sûr. Le lion rouge qui a pris tarif. Allez, touchez-le. Ça dépend, Zeldo. Est-ce que pour vous, je suis monstrueux? Non, pourquoi? Non, ça va, bah alors c'est qui a dit ça? Non, je sais pas, apparemment t'es transphobe. Non mais c'est pour la blague. Oui, je sais. À écouter tout le monde, je serais la pire personne sur Terre, quoi. Ah, vous seriez une personne que j'ai en tête. Après tout, j'ai un prénom qui commence par un A, moi aussi, alors la ressemblance, franchement. Ah putain, je l'ai, oui, AD, bien sûr. Ah, AD, voilà, qui d'autre j'aurais pu penser. Oh, une merde. Ouais, j'appelle ça une merde. Un truc là. Voilà. Ah oui, c'est un. Je sais plus. Un machin. C'est électrode. Regardez la preuve que ce jeu est bien foutu. Incroyable, non? Non, en vrai, c'est cool qu'ils aient retexturé les bombes pour avoir foutu des électrodes. C'est marrant. C'est un mensonge. Menteur, mais menti. Bon, il faut que j'aille vers le nord-ouest. Je vais aller faire le Defeat the Moblin. C'est ça, c'est The Moblin. Oh, c'est The Moblin en plus. Ah, on va se faire. Enculado. Ouais, mais j'ai ça. Avocado. Non, mais faut pas que je farme, c'est vrai. C'est pas la peine. Je suis un vieux con aigri qui aime rien et personne. Ça, c'est vrai, par contre. C'est la vérité. Non, mais non, en vrai. Ah bah non, c'est faux, il s'aime lui-même. C'est déjà quelque chose. En général, je suis très ouvert dans la vraie vie. Voilà. Il se balade souvent un poil, voilà. Devant les gens. Tant que je ne suis pas mêlé à vos fétiches, vous pouvez être ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez vous considérer comme une plante de jardin, allez-y. Évidemment que vous ne m'obligez pas à être une plante moi-même. Voilà. La phrase est quand même très marrante, je trouve. Voilà. Voilà. S'il aime pas les... Ah bah je sais pas, il y a des étoiles, donc je sais pas de quoi tu voulais parler. Est-ce que c'est un mot en N, genre? Ah. Allez, dans les pieds. Alors vous allez peut-être m'aider, Wizra, vous la speedrunneuse, je ne sais pas, regardez-moi ça, je ne sais pas combattre ces moblins, à chaque fois ils me trollent, ils font ça. Voilà, je peux jamais... Quand je les ouvre, c'est un miracle. Tente juste des spins, non? Voilà. Ça marche, ça passe à travers. Les spins passent à travers. C'est un gros coffre. Les spins passent à travers. On avait comme pas le souvenir. Ou alors je confonds avec un mob, je sais plus. Il y a moyen, je me trompe. De toute façon, on peut les combattre comme ça, hein, quand vous speedrunnez, ouais. Ouais. J'ai pas vu si ça passe à travers, mais en tout cas, elle a touché. Ah non, ça passe pas. Hein. Ah non, ok. Bon, tu m'as fait chier. Ou alors, hop. Ou alors, non. J'allais dire peut-être plus proche, mais non, même pas. Lampe à huile. Corps de bombe. Désolé, Link, je ne fais pas crédit. Bombs, you want it? It's yours, my friend. Paf. Et j'y pèse. Tu les as fait d'ailleurs, toi, les jeux, ou pas? Non. Mais j'ai entendu dire, grâce à Speedon, qu'il y avait une version PC qui existait.
Remaster, c'est les versions que j'ai faites. Et limite, ça vaudra le coup de le faire sur ça, parce que le jeu a l'air d'être bien plus rapide, le bouclier a l'air d'être très réactif, le jeu a l'air limite bien, en fait, sur... sur PC. Donc peut-être qu'on le fera sur l'ordi. Ouais. C'est exactement les versions que j'ai faites. Bon, pas World of Gamelon, mais en tout cas, Face of Evil, c'était sympa. Peut-être qu'un jour, il faudra vraiment le faire. Ouais. J'ai drop au début, ça m'a cassé les couilles. Ah bon, pourquoi World of Gamelon, il est pire? Je sais pas, le jeu ne me donnait pas envie. C'est parce que vous jouez Zelda, hein. Espèce de sexiste. Non, j'adore Zelda. Mais non, du coup. D'accord, on va réussir à partir de cette île. Donc on va enfin faire le... Il y a encore des submarines à faire à gauche à droite, mais on n'a pas d'arc. J'aimerais bien avoir l'arc avant de faire Dragon Roost pour le Chest Raid. J'aime bien le faire, celui-là, j'aime bien m'entraîner dessus. Il est vraiment magique. Mais il est 3 heures. Bah du coup, je coupe mon PC, je... Ok. De pas faire de même, monsieur Sky. De couper le PC et d'aller... Oh bah voilà, excellent! Bon, on va quand même attendre... Cherche à invoquer les démons. De quel démon vous parlez? C'est mon personnage, hein, c'est Zeldo. J'aime bien provoquer, être un connard avec tout le monde. Zeldo, ça. C'est mon côté très Zeldo. Ok, j'ai l'arc, excellent. Excellente nouvelle. Donc Cyclos, on sait qui donne la note to mom, donc on va pas le faire. Forest Haven ne sert à rien. Ça, je vais les considérer comme étant fin fait, étant donné qu'on n'a pas à les faire. Si ça vous dérange pas, j'ai pas Forsaken Fortress, j'ai pas ça non plus. Voilà, donc ils sont considérés comme faits pour le randomizer, ce sera plus facile pour moi. Voilà. Ok. J'ai une lettre. Qu'on va attendre que Visra revienne pour faire le cheat Dragon Roost. Ah bah ça y est, comme Alice Fatter, que je ne sais jamais c'est quoi qu'il trigger ce con. Hein. Jamais je le sors. Hein. Triforce Chart, Orange Rupee, or Piece of Art. Rockspire Island. Et les flèches de feu et de glace. D'accord, bah Wizra va revenir, elle va se demander ce qui s'est passé. Hein. Je pense à la musique du JDEJ. Bon dodo pseudoin, merci d'être passé, ça fait toujours plaisir de vous voir, même si vous lurquez, ça fait toujours un grand plaisir. En vrai, je vais rester ici, je vais aller ici pour defeat the enemies. Voilà. Ah. Presque vrai, tu vous parlais de gosses là? Oh, ça fait plaisir. Rêve d'un Lézargus. Non, c'est pas... Ah oui, d'accord, c'est David qui a répondu. Ouais, Duduna et David, vous avez la même couleur. Donc parfois, je vous confonds, moi, les couleurs. Dès que je vois une couleur, vous savez... Voilà, quoi, je vous associe. Vous êtes une couleur pour moi, après tout. Hein, voilà, c'est là votre rôle. Si vous changez de couleur, je saurais plus qui vous êtes. Elle est très belle, cette épée. Salut, Wizra. Ouais, je vois qu'on est passé sur mobile. Bah du coup oui, j'ai pas trop le choix. Et là, ah là c'est mieux David, c'est mieux. Je vais peut-être baisser un peu le son de Wizra si ça vous dérange pas. Je vais le mettre à 180 comme il était tout à l'heure vu que le micro de son téléphone est un peu plus fort. Alors, pas de soucis. Et bien, écoutez, vous avez quitté Wizra et regardez-moi comment nous avons avancé sur le tracker. Ça tombe bien, je ne vois rien. Ah bah, je vous laisse le temps de regarder. Bon, déjà, laissez-moi le temps de m'allonger, ce serait sympa. Allongez-vous. Je vous en prie, allongez-vous. Bienvenue. Ça me termine parce que j'ai l'impression d'être en thérapie. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Alors ça fera 50 balles par contre. Pu,
Tu veux aller t'allonger, Sky? Du coup, Sky, j'ai plus les emotes maintenant. J'ai plus les emotes de sub sur Discord vu que Discord il a bugué. C'est triste, hein. Ah. Bon, écoutez, Duduna. Pourquoi pas? Oui, d'accord. T'es allongé depuis longtemps? Ah, moi qui pensais que t'avais la flemme. Pom, pom. Bon, je vous attendais, Wizra, pour faire ça. Il est temps d'aller à Dragon Roost et de faire de la magie noire. Oh, let's go, la magie noire. Vous aimez bien ça, la magie noire, il paraît. J'adore. Alors, je sais que le son de Wizra est un peu moins de moins bonne qualité, mais ne lui en veuillez pas. Flemme d'éteindre le PC. Ah! Bah écoutez. Il est sur des streams à 3h du mat. Qui fait ça, quoi? Quelle idée de regarder les streams de Zelda déjà tout court. Quoi, vous me direz quand vous serez. Quand vous aurez l'écran du PC du stream, Wizra. Ah, mais c'est beau, vous. Ah, d'accord. Je vais vous montrer un truc, même si ça sert à rien. En mode le saviez-vous. Power bracelet, ouais, du coup t'as cherché. Mais au je sais plus si je l'ai vu. Donc je suis pas censé faire cette cave là, mais c'est juste pour vous montrer un petit truc, Wizra. Je sais pas si vous êtes au courant. Cette cave là est très spéciale. Cette cave là est très magique d'ailleurs, faut le savoir. Ah, attends, est-ce que c'est ce que je pense? Donc là on va sortir la flèche de feu. Ah, j'ai pas de magie. Bon, bah, on peut pas. C'est dommage. Mais en gros, si t'allumes les torches des trucs. Ouais, ça actionne les. Comme quoi t'avais plus les affaires. Ouais. C'est ça. Il faut juste que t'en laisses une éteinte pour que le combat il soit. Pour qu'il passe par un combat et qu'il allume et qu'il voit les autres allumer et qu'il ouvre cette porte. Par contre, ça le fait qu'avec cette caverne-là. Pourquoi. T'as eu le shield et t'as eu la MS. Ouais. La MS. Tu sais, la MS, tu te souviens de la MS de Les Argus? Oui, elle était dégueulasse. Désolé, hein, c'est, David. En fait, c'est la même épée, mais dans la bouche du Pokémon, parce qu'en gros, c'est le Pokémon légendaire épée, et c'est la bouche qu'il a dans la gueule. Ok, alors j'envoie des Porygon, évidemment, hein, vous le savez. Et du coup... Ah oui, t'as eu l'arc aussi, je t'ai pas vu. Et du coup, ouais, le bouclier, bah du coup, c'était la partie bouclier du Pokémon avec l'épée de base 1... Pour le même Pokémon. Donc là, je vais faire cette magie très efficace, qui ne sert à rien non plus. Hein. Pas besoin de faire cette check là. Sachant que du coup, le Mirror Shield, ça va être le bouclier du Pokémon légendaire. Tricheur, ah c'est bon. Je vais juste montrer des trucs. Je sais que c'est des coffres qui servent à rien. C'est juste pour montrer à Wizra. Hop, Wizra 2. Son magnifique storage chest. Le droit d'à connaître cette magie incroyable. Et avec cette magie là, en randomizer, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller ici. Ah oui, le truc dont tu m'avais parlé l'autre jour. Ouais. Mais c'est très beau de le voir. Moi, ça me plaît toujours de le faire. C'est juste le. Limite, ce truc là, ce frame perfect là, il est plus dur à sortir que les autres. Je sais pas pourquoi, celui-là, il est plus chiant. Tu vois, j'ai plus de misère à le sortir, celui-là. J'ai la baguette sortie pourtant. Ouais. Mais j'ai vraiment du mal à le sortir celui-là. Ce côté-là, là, ça me fait toujours de la misère. Ah, il est tombé, bien sûr. Tenez, Dracus était bien seulement pour le lore. Aspect était moche. Le corps a dû faire autre chose. Ah, bah ça. En fait, le souci, c'est que s'il avait fait la même chose que bah, le modeur de Red, c'est-à-dire mettre les items directement de Zacian et de Zabazenta, bah, tels qu'ils sont quand ils les utilisent, bah, ça aurait juste fait copier, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça, quoi. Il y aurait eu le même set d'items, quoi, pour les deux. Oh, mon Dieu. Je me demande si j'ai pas un problème avec l'endroit où je suis, mais... Pourtant, je l'ai déjà fait ici et ça marche très bien.
Je sais pas, c'est bizarre, pour moi ça devrait être bon. Ouais. Tu tentes de le frame perfect ou tu mâches ta touche Z? Ça dépend des fois. Là j'ai fait la touche. Là j'ai touché. Mais parfois je spam. Ouais, là j'ai rien fait du tout. Ouais, tente de mâche, écoute, mais. Pourquoi raid? Le choix de Wizra, évidemment. Le pire, c'est que c'est même pas vraiment un choix, c'est juste que bon, l'autre fois c'était des circuits, et je disais juste que overall je trouvais que le skin de raid il était mieux fait. Du coup, bon bah on va le regarder alors, ouais, voilà, on va regarder raid. Ah voilà, un temps, paf, et c'est bon. Bon. C'est exactement ce que je fais depuis tout à l'heure, hein, mais on comprend pas. Enfin, Foxlink, ouais, bah on l'a déjà fait, Foxlink. Ouais, en vrai, le bouclier et l'épée de Lézargus niveau 1 sont très beaux. Ça que je comprends pas. Et c'est là qu'on s'est fait chier tout ça pour faire cette magie là. Alors, les 10K, c'est pour suggérer et mettre dans une longue liste. Oui, c'est pour mettre dans une longue liste qu'on un jour je ferai. Faites-moi confiance. Ouais, c'est-à-dire dans 100 ans, s'il est encore vivant. Et ce connard, il a supprimé l'option pour obliger de faire un jeu. Ouais, parce que j'attends de faire celui d'AD, qui est CTR. J'ai dit que je le ferai un jour, quoi. Mais toi, t'aurais pu le faire aujourd'hui. Non. Si. Donc voilà, ça permet, tu vois, Wizra de faire ce check-là sans la feuille. Et je trouve que le parcours dans les cavernes est méga long et chiant. Donc ça fait vraiment plaisir de pas avoir un seul tapé. Alors le souci, c'est que j'ai pas retenu les level 1 du skin Nezargus, juste la MS et le miroir en tête. Je m'en On a tendance à retenir le négatif. C'est l'humain, ça. Oh, lui, il est là, il est là, lui. Oh, lui. Lui. Donc t'as ça qui, j'imagine, Wizra, tu dois connaître, toi qui speedrun le jeu. T'as ce truc-là que tu peux faire. Ah oui, avec le rocher, ouais. Ouais. Je l'ai déjà vu, j'avais pratiqué, mais... Alors, je sais que tu peux même faire un saut pour skipper là-bas, mais je préfère garantir avec une bombe. Bah ouais, je fais bien pour vous. Mettre 20k pour ce jeu, une signe normale. Je prends ça pour un oui. Non, mais j'ai déjà fait les oracles du Dunar. Aïe aïe aïe. Le shield, je m'en souviens bien, le shield c'était Amogus, c'était pas Pokémon. Parce que vraiment dans Pokémon, si je pense à une grille d'aération, bah il fait. Il se bat avec une grille d'aération le truc. Ah là là. Bon, c'est parti pour le mini-jeu du fonctionnaire. J'ai peut-être même pas vu, ça se trouve. Alors vous remarquez que mon cerveau est un peu vieux, hein. C'est vraiment le seul truc auquel je pense, je ne vois rien d'autre. Bon, c'est juste le mec qui s'est fait un délire, il a fait « Bro, vas-y, on va mettre une vente, ça va être marrant. » Bon, 24. Soi, il a 14, c'est pire. Hein, c'est marrant. On va travailler, let's go. Windwaker, ce monde formidable où tu es heureux de travailler, quoi. Je sais que Julien, il arrivait à faire des 29 sur les lettres, ce malade. Oh oui, mais c'est un malade mental. Hein. Moi, je practice pas. Hein. C'est juste le truc, voilà. C'est le minimum qu'on demande. Il avait sorti un 29 alors qu'il n'avait pas retouché au truc depuis longtemps. Ouais, après, ça faut un coup de main dans ce jeu-là. Oui, c'est pas si dur que ça à faire, en vrai. Ça va aller l'émulateur, hein, calme-toi. Là j'ai sorti à 25, tu vois, donc bon. Techniquement, en soi, tu peux entre guillemets renfler dans le sens où les zigzags, c'est le truc le plus opti du truc. Ouais. Bon bah là. Les zigzags au stick, en vrai, ça marche bien pour ça. Va faire des espèces de petits mélanges de diagonales. Et merde, voilà la diagonale, hein. Alors c'est bien que t'as pas de pénalité. Quand tu te trompes. Parce que si quand tu te trompais, tu perdais du temps, genre ça aurait été terrible. Ouais, comme certaines archeries dans un jeu Zelda, genre. Ouais, par exemple. T'as déjà fait un 30, ouais, bah oui, ça arrive.
Il doit sûrement y avoir des records du monde pour ce truc. Ah oui, lui, il est content, il veut plus que je travaille. Arrête de travailler, t'es trop bon. Voilà. Prends ta retraite à 10 ans. Ah. C'est pas comme en France, hein. Lol, 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 lol. Tu aurais pas int. C'est-à-dire quoi, int? Là, faut faire pigeon man, donc faut refaire 25. Oh, je suis déjà pas motivé. C'est l'équivalent de SRO, donc bah, si t'aurais pas fait de la merde. Je pense pas que je l'ai, hein. À moins que j'ai 5 fois les mêmes tout le temps. Oui, voilà. Mais après, mon raid, il en a 10, pas Link. Moi, je parlais vraiment de raid parce que c'est dans le RP, en fait. Quel scandale. Quel scandale, je méritais tellement pas la victoire. Et en plus, ça tombe bien techniquement. Waouh. Hey, regardez-moi ça, on n'a pas coché Expensive Purchase, c'est marrant, hein. Non. Oh, les grosses bourses. Pour bien payer des trucs inutiles. Ouais. C'est marrant pour une fois que je la coche pas. Ah ouais, ouais, du touché. Non, pas les grèves. Ma France, mes grèves. Pas ma France. Bon, on va maroufler ce mini-jeu là aussi. Birdman. Et après, il restera les donjons. Donc en vrai, on ira faire les donjons après. Hein. Il me resterait la feuille pour être heureux, la masse, j'en aurais besoin aussi. Mais on pourrait faire Tower of the God avec ça. Il en faut beaucoup à Zelda pour être heureux. Ouais. 12, Link à 12 ans. Ouais. Et je dis quelque chose? Non, c'était moi, c'était par rapport à tout à l'heure que je disais 10 ans. Ouais, c'est Red qui a 10 ans. C'est pour ça que j'ai précisé que je parlais de Red. Voilà. Un indice qui sert à rien? Great Sea Godship, c'est des bombes, merci. Donc là, évidemment, nous n'avons pas la feuille Mojo, mais qui a besoin de feuille Mojo pour faire ce mini-jeu? Qui a besoin de faire ce mini-jeu de toute façon? Qui a besoin de faire ce mini-jeu de façon? Ouais, voilà. Je sais plus comment on... Attends. Est-ce que c'est ici? Oh bah oui, excellent. Et là, il rate le saut et c'est le malaise, ouais, non. Disons que j'avais pas autant marché. Ah oui. Voilà. Alors le truc, par contre, c'est qu'il faut faire ça. Parce que sinon, le jeu, vu que t'es sorti des limites du mini-jeu, il va le savoir, il va te dire que t'es sorti de... que t'es hors de terrain, genre. Du coup, un petit chant du soleil, et il oublie. Et ça, c'est bien, quand même. Oh mon dieu, je lag tellement. Ah, ça paraît que, Dolphin, il pompe plus que la 64, hein. Bili, bili. Allez, petit horlogique, est-il payant? Non, je crois que non. Oui! Il est très... Oh mon dieu! Ah, d'accord. Quand même. Ah, mais je suis bien content de pas avoir à me le taper normalement. Ils sont battus dans une zone. Oh là là, ces gens qui font n'importe quoi. Ah là là, ces humans, ils sont quand même fascinants, moi je trouve. Bon, on a pas de magie par contre, on pourra pas utiliser notre flèche. En tout cas, pas de lumière. C'est con, hein? Papillon de lumière. Papillon de lumière. Ouais, non, je me doutais que c'était pas tout. Voilà, il va viser comme d'habitude le truc qui a rien à voir, hein. Ça c'est la garantie de qualité de cette visée de merde. Voilà pourquoi je déteste la visée de ce jeu. Voilà, tu vois, le truc vise derrière toi, tu comprends pas pourquoi.
Si je dis pas de bêtises, dans le avec le skin, normalement les flèches, donc je parle vraiment bien des flèches et pas l'arc en lui-même. Le sorcier en haut ? Non ? Il n'en reste personne visiblement, les sorciers en haut de l'écran. D'accord. C'est censé représenter l'attaque triple attaque que du coup Porygon utilise. Tu vois, t'as juste envie de viser à la main quoi quand t'as ça, voilà, c'est bon. Parce que là. Voilà, te plains pas, il vise à la main quoi. Voilà. Parce que du coup, le blanc c'est pour le freeze. La flèche de feu c'est du coup pour le burn. Et le light c'est pour la paralysie. Macaron. Oh la feuille. La magie. Tout. La magie. Oh, voilà, on va pouvoir les one shot maintenant les ennemis de merde. Par contre, j'ai que 16 flèches, c'est pas une joie. Hein. Ouais, pas de chance sur le drop. Ah bah t'as une boule, frappe là, non ? Hein ? Une boule ? Oh, tant pis. Bah les drops d'ennemis. Tant pis. Bon, on va faire Tower of the Gods, c'est celui où on peut aller le plus loin. Je crois. Le triste truc qui est triste, c'est qu'on n'a pas la feuille. Et moi, j'aime bien avoir la feuille dans ce donjon-là parce que la feuille permet de péter le donjon en deux à tel point que je crois que quand ils ont fait ce donjon, ils n'avaient pas codé la feuille. Parce que la feuille sert vraiment à skip la moitié des salles. C'est vraiment incroyable. Je viens de me rendre compte qu'en fait, t'es toujours à 3 coeurs. T'es sur une side à 3 coeurs pour l'instant. Ouais. Bon, écoute, c'est pas bien grave. Je survivrai. Ouais. Écoute, les game over vont arriver assez vite, quoi, mais tranquille. Non, en vrai, Wind Waker, c'est pas un jeu très dur. D'habitude, je la finis avec 4-5 heures, c'est suffisant. Donc. C'est pas une question de difficulté, parce que bon, là, t'es quand même à 1 coeur. Et alors ? Parce que, comme t'as dit, le système de combat est énervé, donc bon, les morts peuvent vite arriver quand c'est énervé. Non, le voilà le quart de coeur qui va me soigner toute ma vie, là. Ah non, c'est la boussole. Oh, tant mieux. Hein. Lourd. Après ça va, t'as des pots à côté donc. Voilà. Bon, ça c'est fait. Le truc qui est chiant dans ce donjon, c'est la marée. La marée. Je vais aller là-bas d'abord. Ah, ça c'est parce que vous ne voyez pas sur OT. Sur OT, je suis sûr, il meurt souvent. Non. Malheureusement non. Malheureusement pour vous. LTTP, ouais, mais en même temps LTTP il m'a saoulé quoi. À force le jeu m'a. Ah bref. Je me souviens d'un temps où LTTP c'est le meilleur rando. Non, ça fait chier. Bah en termes de il est court et intense quoi comme randomizer, c'est parfait. Si tu veux juste jouer pendant 2 heures, c'est bien. Hein. Parce que ce rando là c'est gagnant pour ça. Je me fais chier sur LTTP, je jure. C'est un bon jeu, mais putain, je me fais chier. Passe du rando des oracles, ouais, ça existe. J'ai déjà fait les Link's Awakening, mais les oracles, non. Bah, il faut faire les deux jeux en même temps, Davy. C'est Sky qui pourra te l'expliquer. Il est spécialiste. Ouais. En plus, je me souviens, c'était dans une période où j'en avais marre d'aller TTP, et puis là, j'ai appris l'existence du rando de Cage 2, et je me suis dit, ma vie, elle était refaite. T'as pas réussi à le faire mâcher, TG. D'accord, toujours aussi sympa. Regardez-moi ces magnifiques textures. Parce que oui, nous sommes sur un pack de textures où Isra, ça ne se voit pas. Chaque fois que je le montre aux gens, le monde, les gens, ils font, ah, il n'y a pas de différence. Alors que bon, elle est un peu minime. Quand même, c'est un peu, voilà, c'est, ils ont un peu affiné les textures, quoi. Ouais, c'est pas un. Ouais, c'est plus un. En fait, c'est assez proche, c'est assez proche de Wind Waker HD. Voilà, finalement, bon. They do what Nintendo don't, hein. Comme on dit. We do what Nintendo. Allez, climb. Ouais, toujours aussi doué en anglais, en tout cas. L'autre couillon de la dernière fois. Ah, bah ça. Alors en vrai, je sais pas pourquoi je fais ça alors que j'ai les flèches de feu, mais bon. Tu vois, j'aurais pu juste direct aller faire les flèches de feu et ça marche. Mais j'aime me sentir un peu comme dans OT. Et encore un coffre de merde, dis donc. Ah non, c'est une clé. Oh, c'est la Biki même. Bah, je pense que j'avais un indice pour ça. Ouais, ça se voyait en plus à la texture du coffre. Ouais, la texture elle est changée pour la Biki.
Les grosses clés. Oh mon dieu, est-ce que le jeu va s'en sortir en vie? Ce jeu... Tenez non d'avis. Non, je sais pas. Je sais pas, mais ouais, mais un jour on fera les oracles, évidemment. Mais Sky, il les a déjà fait. Les oracles, c'est des bons jeux. C'est sûr. Mais bon, il y a Tears of the Kingdom, quoi. Franchement, il y a d'autres choses à faire. Il y a Totk. Tant pis. Ah bah ça, David. Hein. Allez. Paf. Un peu excessif, quand même. Hein. Ah bon? Voilà. Quelle indignité. Non, l'eau elle est remontée, de toute façon j'ai pas de clé. Tu veux savoir comment ça marche en randomizer? Bah. Allez voir sur le Discord. Oui, ou sur YouTube, je pense, je suis sûr, il y a des gens qui ont dû faire des streams. Oh, c'est quoi cette... C'est quoi cet endroit du barème monde? Bon, ça c'est une clé, ouais, voilà, c'est obligé. Je me souviens tellement peu de cette salle. Oh, de la bouffe! Un jour on aura un quart de cœur aussi, ça existe. Hein. Il y en a 44 dans le jeu. À un moment ça va arriver. En même temps, on perd les cœurs juste par quart dans le jeu. C'est vraiment un jeu casu. Hein. Donc t'as pas de stress. Hein. Peut-être pour ça que Day n'aime pas. Alors là, je suis tiraillé parce que je pourrais me barrer. Parce que là, je pourrais économiser ma clé. Si je fais mon glitch, j'économise une clé. Mais bon. Le problème, c'est qu'il me faut la feuille pour faire mon glitch. Et j'ai pas la feuille. Donc, est-ce qu'on se dit la feuille, elle est en haut? Ou est-ce qu'elle est dans Earth Temple? Complexe. Tu le feras en live le jour de la sortie? Moi, je ferai peut-être pas le jour de la sortie, Sky. Bah non, le jour de la sortie, je vais aller le chercher. Je serai pas chez moi, du coup. Donc, je vais sûrement rentrer. Et je vais y jouer avec Miss chez elle. Il y a des chances que ce soit ça qui se passe. Donc finalement, je vais même pas le découvrir en live avec vous. Quelle indignité. Pitié, non seulement ça, mais en plus tu vas souffrir avec Voldemort. Mais non, elle est très sympathique, Voldemort. Oh, elle est pas sympa, c'est une connasse. Mais dites pas ça. C'est pas très gentil. Moi, je suis désolé, le mérite. C'est pas très gentil. Oh, j'ai un quart de cœur depuis tout à l'heure. Ah, bravo Link, école d'archerie. Hein. Et puis en plus, je suis sûr que si je demande à Loulou... Oh, mais j'ai plus de flèches. Un peu malaisant. Allô? D'accord, ça va aller, l'émulateur ça va aller. Oh, regardez-moi ça, j'ai tout sauf de l'argent, sauf de la vie. C'est quand même bien les drops de jeu. Tout va bien. T'aimes pas... Si. Enfin, Wizra non. Voilà. En même temps, elle casse les pieds de tout le monde. Je me souviens quand t'es sur sa horde de Vlag, elle faisait chier tout le monde. Elle a été chez Vlag? Mais oui, elle y était. Mais elle y est plus. Je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas vérifié, je m'en fous. Comme c'est effrayant. Putain, je suis quand même deg. Pour une fois qu'on refait Tower of the Gods, j'ai même pas la feuille pour le briser, quoi. Ça m'énerve. C'est quand même agaçant, regardez-moi ça, et la marée elle redescend tout de suite, c'est quoi cette marée de merde? Spoiler, on n'est pas que deux, hein. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, hein, et pour de bonnes raisons. Hein. Je comprends pas. Bon, ça va aller la marée, ouais, bravo, on va y arriver. Allez, redescends encore une fois, histoire de me faire yesh. On parle d'une personne que vous connaissez pas. Une personne inconnue, David. Bon, est-ce que je vais crever à votre avis? On a tellement pas de vie. Et... Je pense que c'est Kate. Ah, mais il fallait que j'amène une statue jusqu'ici, moi. Quand même un peu con. Hein. Et effectivement, oui, ça aurait été plus intelligent. Ah, bah voilà, ouais, mais le laser il va plus vite que toi, legit. Aïe, 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 j'ai juste envie de partir, d'aller à Earth Temple, le rush kit, là. Quoique, je vais faire cette pièce, comme ça j'aurai un téléporteur, d'abord. J'ai activé les pots téléporteurs raccourcis. J'ai rien dit, moi.
En même temps, on n'a jamais eu de vie, on a eu un cœur depuis le début de ce donjon. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec un seul cœur? Je l'avais cool en tout cas, mais... Bref. Et c'est là, c'est rare que je décède dans le jeu. C'est très très rare. Du coup, là, on peut attendre 10 ans. Hein. Vraiment le meilleur donjon. Hein. En vrai, les donjons du Nucker, je les aime pas. Hein. Je trouve pas les donjons du Nucker géniaux. Ouais, comme dira Adé, j'aime pas ça. Ah bah Adé, il aime rien. Il est comme c'est moi. Bon, ça. Et là, il vient jamais te faire chier. C'est ouais. Un peu un dé. Hein. C'est le dé de Twitch finalement, ce laser. Auras-tu 0 viewers ou 5 au début de ton live? Mystère. Moi, je parierais plus sur un 0 qu'un 5. Ouais. Regardez, bon, donc ça, on fait gagner un petit peu de temps. Voilà, c'est pas grand-chose. Hein, mais... Ici, on aime bien l'optimisation. Le cœur serait mieux sans les donjons, lol. Ah, et un petit peu de ça, David. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai jamais vu son bouclier. Oh, pas mal. Pas extraordinaire non plus. Et là, tu vas voir, j'ai 10 000 cœurs dans les pots. Rien. En fait, le Pokémon de base, c'était l'épée de base que t'avais niveau 1 et le bouclier en même temps, en fait. C'est deux parties du Pokémon. C'est un seul même Pokémon. Si vous le dites. Oh là là là. En fait, le but du Pokémon, c'est que c'est un épée et un bouclier, sachant qu'il peut changer de forme. Si j'avais eu la feuille, j'aurais pu l'avoir, la plateforme, tu vois. La forme où il attaque, bah du coup, c'est quand il met le bouclier de côté. Quoi, et là, je peux avec, c'est bien la attendre, vu que c'est passionnant. Ah, mais j'ai plus de flèches. Et les flèches, alors, elles sont où, monsieur le jeu, là? Hein? Ce meilleur elles jeu. Sont pas en option. Elles sont le meilleur. Elles sont où, là, les drops de génie? Oh, ça, alors, hein. Cœur de vie. Il fallait payer plus. Putain, elle va trop vite. Ça va trop vite pour mes yeux. Je suis comme Eiji Aonuma. Mes yeux se font vieux, je n'arrive pas à viser cet oiseau. regardez cette option. Moi je pense qu'à Aonuma, il n'y a pas que ses yeux qui sont vieux. Ouais, bah là, en même temps, il faudrait peut-être un jour qu'ils changent les keys. Ça fait depuis 20 ans qu'ils sont là. Hein. À un moment donné, il faut laisser la place aux jeunes. Hein. Ça vaut pour Miyamoto aussi, hein, d'ailleurs. Mais c'est bon. C'est pas comme si depuis que Iwata était plus là, c'était un peu la merde, enfin bref. Ah, un petit peu la merde. Hein. Le problème, c'est que j'ai rien contre Miyamoto, Aonuma, les génies. Mais au bout d'un moment, les gens, ils ont 80 ans, quoi. Faut. Voilà. Au bout d'un moment. En effet, constater que vraiment, que depuis qu'il est. Que Iwata n'est plus là, c'est plus si fou, quoi. Oui, ma fille. Le coup des yeux m'avait fait rire, le coup des yeux m'avait vraiment fait penser à un truc en mode, ah ouais, casual, hein. Le casualisme à outrance. Oh là là, mais ça rentre jamais dans sa bouche. Effectivement, c'est trop gros. C'est trop gros pour sa bouche, là. Comment vont-ils faire pour l'avaler? Ah là là. Il faut forcer. Faut forcer, hein. En forçant, ça passe. Oh, dites-moi que c'est là. Oui. Si tu mets un peu du tien, ça va rentrer. Ouais. C'est ça, faut forcer un peu. Inutile. Ça vole tout seul. Ça dégouline même. Ah bah ça dégouline, ah bah là. C'est que ces monstres, tu peux les tuer au Light Arrow. C'est vrai ça? Je savais même pas, Sky. Il ne savait pas. Ah bah merci, Sky, on en apprend tous les jours. Grâce à vous, grâce à cette astuce, je vais gagner la race. Pour faire cela, je tombe sans arrêt dans ce trou car je manipule la mémoire du jeu. Oh! Oh ah, ça y est, c'est là aussi que tu vas péter ton crâne. Non, 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 pas tant, là. Non, 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 là, là, mon crâne, il s'endort, lui. Ça m'énerve de pas pouvoir suivre. Comment ça? Bah, regardez le stream. Regardez le stream, vous pourrez suivre. Problèmes n'apparaissent pas, mais ont été créés séparément. Ouais, c'est un peu une coïncidence, mais bon... C'est depuis qu'Iwata n'est plus là, j'ai jamais vu l'entreprise autant miser sur des DLC et des merdasses hein, pour faire vendre le max. Hein. Après, oui, comme tu dis, il y avait déjà des merdes avant. Hein. Les amiibo, truc que je trouve abusé, étaient déjà là bien avant, quand il était encore là, quoi. C'est sûr. Mais je trouve qu'ils ont vraiment tiré sur la corde depuis qu'il est plus là, quoi.
Les 35 ans de Mario, les 35 ans de Zelda surtout, le Skyward Sword, c'est honteux. Hein. Les 3D All-Stars, c'est honteux. Hein. Vraiment, les amiibo, je trouve qu'en vrai, c'est fine. Non. Et je pense pas qu'Iwata aurait laissé passer qu'on fasse juste le même jeu d'il y a 10 ans, juste on a lissé les textures, quoi. Il aurait fait sûrement comme ce qu'ils ont fait pour les Metroid Prime, un vrai remake, quoi. Voilà. Ouais, genre, voilà, là, Game Freaks, regardez, les Pokéfions. Les Pokéfions, bon, voilà, épée bouclier, ça date de quand? Là, il est parti en 2017, hein. Donc, bon. Voilà, voilà, hein, bon, après, je veux pas dénoncer, mais... Oui, bah, ils en prennent du nouveau monde, ils sont toujours avec les mêmes depuis 50 ans, c'est sûr qu'à un moment donné, Miyamoto, il en a marre aussi, je suis sûr. À un moment donné, il en a marre. Il a plus 20 ans, quoi, Miyamoto. Oh, la feuille du plaisir. En vrai, les seuls moments où Nintendo s'en sort bien, c'est quand il y a Sakurai pour leur sauver le cul. Smash. Pas que, hein, Kirby aussi. Kirby, ouais, aussi. Ça peut pas oublier que c'est level... C'est pas level 5, c'est... j'ai oublié leur nom. Mais... Putain, j'ai plus de nom. Donc vu qu'on a la feuille, regardez cette magnifique pièce où on était censé avoir le grappin griffe, bah finalement le Dracofeu permet de la skip. Voilà. Il y a deux formes, t'as la version en vol, c'est Dracofeu, et la version saut, c'est autre chose. Donc voilà, voilà, tu vois, tu peux totalement skip les énigmes entre guillemets avec ça. Tu comprends pas. Je sais pas pourquoi. La feuille, elle squeeze tout, quoi. Genre, je comprends pas pourquoi ils ont... La version en l'air, donc c'est quand tu planes, c'est un Dracofeu, et ouais. C'est juste que c'est au sol. Bah c'est un carapuce. Ou c'est... Ah non, c'est peut-être un... l'autre, là. Blue ouais, bizarre. C'est autre chose, ça a rien à voir. Ah ouais. Non, non, c'est pas... Non, non. On va regarder, Davy, on va regarder. C'est pas un immonde, je sais plus, je crois que c'est un immonde. Un immonde. Non, un immonde, c'est un autre... Ah, effectivement, je le trouve immonde. Ah, c'est une folle, c'est une plume. Regardez ouais, comme il est beau, mon Dracofeu. Bah, il s'appelle Limonde, ouais. C'est lui. Thèse Zelda, c'est bon, j'y vais. Oh là là. Vous êtes tellement impatients, vous, la génération... 2010 2000, en fait, 2000, voilà. Bah, après, après ça reste dans le truc de la feuille que tu secoues, enfin... Ah oui, c'est... Pokémon... Secouez-moi la feuille, secouez-moi la feuille, Wizra. On est en stream, pitié, je te sucerai après. Oups. What? Ah, Wizra, on est en stream, comme vous me l'avez dit. Regardez ça, et le voilà à poil, voilà. Et hop là, oh là 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 là. Ah bah ça, c'était Wizra hier soir, quoi. Déshabillé, hop, derrière, et paf, et à terre, hein, voilà. Mais non, non, Lady, elle est pas en sueur, ça lui va, la polygamie. C'est pas vraiment ça. C'est un peu complexe à expliquer en live. Pas ah, sûrement meurt, très bien expliqué. Quoi? Pardon? J'ai dit que la meurtre est cool. Ah. Bon, on verra. Bah il y a des gosses sur Twitch. Non mais, y a que... non, non, mais en vrai, ce stream est mature d'insomnie, hein, David, donc bon. Voilà, quoi, c'est votre problème, après, si vous entendez des trucs qui vous plaisent pas. Fallait peut-être que je tienne la statue en main, non? Il est passé minuit, les enfants, ils ont déjà été se coucher. Tu vas me rire. Je savais pas que ça faisait autant rire que ça, les mineurs, mais bon. Non, mais c'est le squelette. Plus Wizra n'est pas mineur. C'est ce que Norman disait. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fous là, Ska? C'est pas moi. Aïe. Je pense qu'ils ont plus leur dialogue. N'empêche, Tower of the God, c'est un donjon cool, mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est long. Alors là, on n'a jamais de magie, donc je pourrais pas faire les skips que je veux, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé les faire. En vrai, ta baguette, elle va aller là.
On m'appelle Timing Man dans le milieu. Voilà, c'est limite plus rapide de faire ça comme ça. J'ai toujours pensé que les chauves-souris dans le jeu, ils avaient une gueule dégueulasse. Putain, mais des flèches et des bombes et la magie, c'est pour les chiens? Hallucinant. Ouais. Du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire pour en avoir. Mets-toi à quatre pattes maintenant. Ah oui, donnez-moi votre magie. C'est pour les Zelda, la magie. Oui, c'est le symbole du vent. Bravo, Red. C'est bon, j'ai toutes les clés du donjon. Un rubis jaune, comme son pseudo, en raccord avec le rubis. Bah, en même temps, elles sont là depuis longtemps, ces personnes. Continuez à subber, Davy, et vous allez voir, ça vous arrive aussi d'avoir un rubis jaune. Vous verrez. Ça va marcher. Ah, de la magie, yes! Oh, de la grosse magie! Du coup, je vais aller là-bas, en fait. Pourquoi je suis monté, j'en ai aucune idée. Écoute, moi, je suis là depuis longtemps, et pourtant, j'en suis qu'au rouge. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Donc ça, voilà, déjà, cette pièce, voilà, c'est génial. Donc voilà, la feuille, elle sert à rien. Elle sert à tout, hein, voilà. Elle sert à rien. Elle sert à rien et à tout à la fois. Ah bah voilà, j'ai maintenant un... Ah oui, il est très joli, ce bouclier. Ouais. Bah c'est le... Bah du coup, c'est le shield du Pokémon légendaire, bouclier. Enfin, c'est techniquement, c'est plutôt la tête du bouclier du Pokémon légendaire, mais bref. Donc, j'ai mon passe tout Jalala, c'était le bouclier miroir, hein, spoil. Je pense que je peux y aller avec la feuille, mais on va quand même ouvrir ça au cas où que. Toi... Non, vraiment, vraiment le mode, il est cool. Non, oh, avec, quelle intimité. Il y avait possibilité j'improvise. De voilà. Un pack pour modifier le skin des mobs, justement, pour qu'il corresponde avec des Pokémon. Et je l'ai jamais testé, j'ai pas pu voir ce que ça donne. Oh, le connard. Apparemment, c'était sympa de ce que les gens m'en disaient. Ça y est, c'est parti. Je suis dans un vortex. Le crâne m'a fait chier. Je le savais qu'il fallait le tuer. Je savais qu'il fallait tuer le crâne. Il m'a pété le crâne. Il m'a pété le crâne, bah littéralement. Ouais. Je peux avoir de magie. Mes idées n'auront plus de génie. C'est con ça. La prochaine pièce, elle était tellement bien avec la feuille là. J'aurais pu encore plus maroufler. Ah, et là, il me laisse tranquille, sale con. Ça, il aurait fallu qu'il m'ait déjà écouté une fois dans sa vie. Mais je vous écoute, Fizan. Oh, c'est plus que le chidi de chat, apparemment. Quoi? Depuis quand vous écoutez les chats de stream? Ça va aller, vous allez vous en sortir. Faut pas manger le micro, hein, Wizra. Ah merde, c'est parce que j'avais oublié que le micro était dans l'écouteur et que j'étais en train de jouer avec. Avec vos écouteurs, n'est-ce pas? Oui, avec l'écouteur, j'en ai juste en main. Évidemment, évidemment. Oui, oh là là, du pognon. Vous avez des images bizarres dans votre tête, monsieur. Je risette. Bah, je pose des questions. J'ai plus le droit. C'est quoi, c'est le plan 3 avec Lady qui vous tente? Non. J'aime les Lézargus. Ah bah ça. Ah, bah, putain, on n'a pas une magie, jeune merde. Je voulais faire un truc de ouf à la pièce d'après. Je suis peut-être pas sûr d'avoir assez de magie là pour faire mon truc de ouf. Dudu qui est en forme aussi. Hein. Donc là, ça, quand vous ferez speedrun, Wizra, hein, vous allez la prendre sûrement. Cette pièce est merveilleuse. Ouais, le skip de... Oh, j'ai raté. J'ai raté. Oh, je vais devoir faire un air du marionnettiste. Oh, j'ai raté. J'ai juste envie de V-creux, là. Imagine, t'aurais été en multilocal, enfin, dans le mode multilocal. En vrai, y a pas un moyen de moyenner, là? Ah non, je pense pas, hein. Ah non, y a pas moyen de moyenner, je crois. Ah non, c'est foutu. Y a pas moyen de moyenner. Yesh. Bon, normalement, on pouvait aller sur la statue de droite et faire le truc. Et pendant que la statue te suit, tu voles
au-dessus de la barrière et la statue te suit. Et tu peux vraiment skip la pièce, elle se finit en 2 secondes, quoi, normalement. Mais bon, c'est pas grave. Personnellement, j'étais au courant. Ouais, voilà. On va se faire niquer. Je le savais, les sorciers! Je savais pas que vous en aviez envie à ce point-là. Je le savais! Knew it! Ça y est, là, ils ont le même pouet. Là, les deux sont plus lourdes. Mais on va devoir en lancer une troisième parce que je vais aller sur la statue en plus. Hop! Et voilà. Donc voilà, le donjon, c'est un petit peu l'équivalent du Forest Temple Tower of the God par rapport au Forest Temple de OT. C'est long et c'est pas difficile. Donc c'est un peu chiant en fait. Voilà, on dira ça comme ça. Il aime pas les donjons, Adèle. Pourquoi ? Bah t'as dit que c'était comme Forest Temple. Bah je trouve Tower of the God est pas difficile, tu vois, c'est juste une routine quoi, c'est pas... Je parle de AD, pas de toi. Bah ça j'en sais rien. Faut leur demander à... Non mais AD il aime rien, il aime juste les rétro achievements et encore il s'en plaint mais il master ses jeux quand même, on comprend pas ce qu'il veut. Oui, c'est encore plus mazo que moi putain. Et que moi, c'est dire. Que moi surtout, mais ouais. C'est dire à quel point le délire est violent quoi. Alors ça par exemple, ça c'est un truc, ça c'est la preuve que la feuille Mojo elle a été faite après, tu peux faire ça. Genre what the fuck quoi, tu fais ça comme ça et c'est pas difficile à faire en plus hein. C'est... Voilà. Regardez ça quoi. Non c'est pas vrai, Zeldo il aime être cynique et être un gros con. C'est quelque chose. J'aime être un connard. D'accord. Alors c'est de l'info. De quoi que je suis cynique et connard? Ce skip là? Ah oui, ce skip là. Hein. Donc ça, tu peux les skip aussi comme ça, avec un saut. Bon, d'accord. Oublié. Voilà. Normalement, si tu te démerdes bien, tu peux faire des petits sauts. Bon, là, il y a lui qui va venir me faire chier à vie. Et voilà, là, c'est foutu. Il s'est fait bien. Voilà, on le dit pas, mais on le pense. Hein. C'est bien fait, ouf. Ah oui, quand même. Bon, on va faire le meilleur boss du jeu. C'est parti. On a le sac de facteurs qui ne débloque absolument rien dans notre seed. Ah ouais, Godan, le plus grand de tous les héros. La meilleure musique du jeu, hein, bien sûr. Alors moi j'imagine toujours une boîte nenu dans une église quand j'entends cette musique. Je tiens quand même à dire que j'ai oublié son thème. Actuellement, je ne sais pas ce que ça donne. Donc là, je vois juste Zeldo bouger comme un gros mongol. Ouais, mais ça, c'est d'habitude. Ouais, mais là, c'est encore... C'est ça, c'est gênant parce qu'il n'y a pas de son, du coup. N'empêche, on est passé de Bongo Bongo à ça, je trouve que c'est bien. Parce que Bongo Bongo, c'est une chiasse avec Navi qui vise jamais ce qu'il faut. Ah, bah, apparemment, il n'y a pas que dans l'OT. T'as dit Bongo Bongo, j'étais en train de penser Roi Dodongo, j'ai dit mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc là vous voyez, vous pouvez, si vous le savez pas, vous pouvez annuler son attaque, comme ça. Vous avez vu ce que j'ai fait. Tu vas en dessous de lui, il va pas faire sa méga attaque des bombes. Mais faut être assez proche, sinon il a le temps de la faire quand même. Allô? Quoi? Ah d'accord. Bah pourquoi pas hein. Parfois il faut les toucher plusieurs fois parce que le jeu il s'amuse. Hein. Le jeu fait ce qu'il veut après tout. Ouais, c'est lui le jeu, c'est lui qui fait les règles. C'est lui qui décide. Ah c'est vraiment un thème incroyable. J'ai son thème en tête maintenant. Ah bah il l'a fait quand même, j'étais pas assez en dessous. J'étais pas assez bottom pour lui, dommage. Tu donnes des flèches? Merci. Merci copain. Oh quel désastre!
La visée, c'est pour les chiens. En tout cas, je rêverais de, d'éternuer des flèches. Et là, on en ça oublie la Triforce. Ah oui, la référence à Virtuality Dead. Je parlais du boss, David. D'ailleurs, Sky, aujourd'hui, vous avez pas beaucoup deviné les objets que j'allais avoir en avance. Hein. Je suis assez déçu. Très décevant. Vous avez pas lu le spoiler log, c'est ça. Hein. Oui. Sinon, il était où, Oni Link? Oni Link, le masque? Ouais. Il était nulle part dans la scène, il y en avait que 23 des masques. Pourquoi? Ça me déçoit, putain, il a pas répondu comme il fallait. Ah, d'accord. Bon, là, oh, du c'est coup. Bon, c'est très bien, je suis en train de faire comme toi hier. Je vais quand même vous montrer un truc, hein. Parce que j'ai envie quand même de vous le montrer. Je vais vous montrer le glitch qui permet de passer tout le rez-de-chaussée, de skip tout le rez-de-chaussée de la tour des dieux. Que j'aurais tellement aimé faire vu que j'avais la feuille. Enfin, vu que j'avais pas la feuille, j'ai pas pu le faire. Mais c'est tellement bien à faire. Tu le connais peut-être, mais comme ça, je choquais un peu Sky. Je trouve que je l'ai pas assez choqué dans cette seed encore. Surtout qu'après, on va faire Earth Temple. Donc bon, Earth Temple, il connaît déjà. Mais je t'avoue que le Forsaken Fortress, il est aussi très beau à montrer. Pour le boss, El Maroc, on le gruge avec un storage, et c'est très très joli, El Maroc. Ouais. Après, que ce soit El Maroc, ça reste chiant de base, parce que c'est RNG. Oui, oui, mais justement, le storage annule la partie RNG du boss. Ouais, bah oui. Donc en gros, on se met là, on fait ça. J'ai appuyé trop vite sur or. Putain, et l'émulateur, il lag aussi, regardez-moi ça. C'est la faute de l'ému. Voilà. Et là, en gros, ce qui va se passer... Bon, moi, je vais le faire avec cette méthode-là parce que je suis pas très fort, mais je vais attendre que l'eau baisse. Et là, normalement, si je vais à droite, je vais clipper en dehors de la map. Dans la position où je suis actuellement avec la statue placée. La statue va me repousser, normalement. Ça se peut que ça se passe mal et que ça me dirige dans l'autre sens. Mais du coup, c'est que je sais pas pourquoi t'attends que l'eau baisse. Parce que sinon, l'eau, là, elle me mange. Tu vois. Puis comme ouais, ça, c'est mieux. Hop. Et voilà. Puis là, l'eau monte. Voilà. J'ai pas compris la blague. Et je passe ici. Tu vois, et là, j'ai skippé tout le rez-de-chaussée. Voilà. Tu connaissais déjà ce tour de magie, Sky? Voyons donc. Vous savez qu'on peut le faire en race. Je suis déçu, vous avez pas remarqué la blague. Quelle blague? Je suis demandé pourquoi est-ce que vous attendiez que l'OBS. Ah d'accord. Parce que stream élément. Ouais, bien vu. Tu l'as déjà fait, crétin. Bah ça fait longtemps qu'on a plus fait Tower of the Gods. Je pense que c'est la première fois que je la refais depuis que je reprends les C2 une VQ. Donc bon. Après votre disque il est rayé, monsieur. Oui. Ça te dérange? Bah moi non. Mais certains oui. Apparemment. Bah, tant pis pour eux. Alors, il y a un petit sous-marin à faire qui s'appelle Bomb Hell, qui est très très mignon comme sous-marin. On va le faire quand même parce qu'il nous manque une épée actuellement encore. Donc, on n'a pas encore fini. Tête d'orange. C'est moi ça. Guillaume. Moi, je pense qu'il y a plutôt une tête d'aubergine. Guillaume Ier. Guillaume Ier d'Orange. Vous savez c'est qui Guillaume Ier d'Orange dans le chat? C'est une merde. Wizra le sait. Parce que c'est un flamand, voilà pourquoi. C'est un ancien flamand, c'est pas un flamand. C'est... Ah, la flamme n'existait mais pas okay, encore. Mais non mais aujourd'hui il est mort, mais on s'en branle, bref, il était néerlandais. Oui, il était néerlandais. Bien sûr, Dudu, ouais. Bien sûr que vous savez. C'est lié à l'histoire de la Belgique, c'est sûr que vous allez pas pouvoir savoir. Ah, quoique, peut-être que Dudu, en fait, a vraiment le truc.
Meurs de merde. Merci Wikipédia. Oh, je vais te... Merci Wikipédia. Oh le con. Oh la... Oh tu... Lumière. Oh elle est... Oh elle est partie comme ça. Alors là c'est pas Belle et la Bête, là c'est Zelda. Comment ça? La Belle et la Bête. Vous avez dit lumière. Ah oui. Le chandelier. Oui. Okay. Bien vu. Ok. Alors ce qui me choque encore, c'est qu'on n'a pas pu faire la... On n'a pas pu sauver grand-mère dans cette scène et ça fera deux fois. On ne sauve pas grand-mère. Ah bah ouais, Earth God... Eh, il le fallait, Earth God Lyric. Une chance que je suis venu ici. C'est vrai que j'avais oublié que ce truc existait. T'as pas honte, Zelko? De... De laisser grand-mère mourir? Bah, j'aimerais bien avoir une bouteille, en fait, pour la sauver. Bah, t'as intérêt à aller en chercher une. Bah, dites-moi dans ce paralogue où c'est, alors. Allez-y. Je vous l'envoie, bah, si vous voulez, vous me direz c'est où. Vous me direz où il y a des bouteilles. Bah, donnez-le moi. Bah, je vais attendre que je trouve pas une bouteille dans le donjon, là, et après, je vous le donnerai. En vrai, cette scène était vraiment sympa. On est à 1h30 à peine et on est déjà à un donjon de la fin. Et il nous suffit de trouver une épée, on est en go mode. Franchement, j'aime bien cette scène. Aïe, j'aime bien Bank aussi. On aime bien quand c'est... Aïe ça. Bizarrement, quand ça fait 3 heures à 4, c'est... ça aime moins. Ouais. 10 heures à 2. Ah bah ça... C'est pour ça que Windwaker il est cool. En même temps, on peut choisir. C'est sûr que Windwaker, si de base fallait faire les 300 checks à chaque fois, t'en aurais marre. Hein. Les All Sanity là. J'en ai jamais fait. Enfin, j'en ai fait une, mais j'avais enlevé les donjons. Donc, ça m'a quand même pris 7h30. Hein. Avec tout à faire sauf les donjons. C'était assez intense. La prochaine fois, ce serait d'en faire une, bah. Une entière, quoi. Mais ça, faut se réserver au moins 12 heures, quoi. Comme Majora's Mask! Et là, bon, on a fait un truc long il n'y a pas longtemps, donc après, on va peut-être bon, pas... ça dure 12 heures quand t'es mauvais et que, bon, tu t'as pas fait le jeu depuis plus de 7 ans, quoi, mais bref... Ouais, mais les checks sont longs à faire, quoi. Windwaker, je connais les checks, hein, mais ils sont longs, hein. Après, ça dépend de la chance aussi, si on a tout direct tous nos items comme là, bah c'est sûr que ça ira vite, hein. Vas-y, Madoli. Jamais su si le feu brûlait vraiment ici. Allez, sortez, sortez de vos cachettes. Non, je ne voulais pas t'appeler. C'est pas grave, hein. Oh non, pitié pas, elle t'est... Oh la queue de Ramolo si raide. Ouais, t'as vu? Oh. Ça, c'est trop marrant, je trouve. Ben, c'est une Link to the Past. Ah ouais, une petite Link to the Past là. Non, on va se faire chier. Plaisir là. Ah ouais. J'avoue que ça fait longtemps qu'on n'a plus fait en plus là. Allez, la Biki, c'est fini. Je le suspense est total. Le truc a vraiment fait un freeze avant. Il y avait la main avec rien. C'est après le suspense. Alors normalement, quand on se débrouille bien, voilà, c'est elle, elle peut se retourner. Oui. Et tu peux vraiment la voir comme ça. Je l'ai déjà fait dans l'acide passé, je l'ai eu, ce truc-là. Mais il faut vraiment être rapide. Dis-toi que t'es obligé si tu le fais sur le Wind Waker multi là en local. Parce que du coup, le champ du marionnettiste, ça fait crash. Ah ouais. Ah ouais. Bah oui, c'est encore en phase de bêta. Hein. Je vais t'avouer. Je l'ai eu la dernière fois, tu te fous de ma gueule.
Mais pour le coup, ouais, non, ce que t'es en train de faire, c'est vachement faisable et c'est pas ouais, je l'ai fait. Non, non, c'est pas. Faut juste le bon angle, là. C'est un peu comme. Tourne-toi! Faut aussi qu'elle, qu'elle daigne se tourner quand il faut, là. Parce que elle, elle est très confuse très vite. Hein. Oh, j'étais bon. J'étais juste trop à droite. Quelle idée d'être à droite. En vrai, je me demande si c'est pas... Plutôt que de faire un saut et de perdre du temps dans les airs... Non, en vrai, c'est tout aussi pareil. Ah bah voilà. Finalement, ça a bien marché. Donc là, j'ai besoin d'elle pour aller là-bas. Ça va aller. Point d'interrogation. D'accord. Oui, effectivement, votre instrument peut renvoyer la lumière. Bravo, Médoli. Félicitations. Très belle observation. Bah, dis-toi que si tu vraiment tu n'utilises pas si tu n'utilises pas le chant, j'ai remarqué que vraiment elle te spam pour te dire de l'utiliser que tu peux utiliser le chant. Ah ouais. Okay, ouais ouais bah du coup je l'ai... En gros il y a bah il les Ukrainians ils ont testé la version locale du coup du Unity de Wind Waker à 3 du coup. Ouh. Et vraiment le. Putain, oh mon dieu c'est honteux le lag on dirait Pokémon et écarlate quoi et violet. Un petit quatrième cœur peut-être un jour. Bah écoute, ça reste dans le thème avec le screen. Ouais, ouais, ouais. T'as 62K. Bah tant mieux pour toi. Comment tu fais pour avoir autant de points? Tu triches Faut... Par contre, le but c'est de ne pas rajouter un cap, un deuxième cap, pire erreur de ma vie. Un quoi? Un cap? Un deuxième cap. Un cœur. Un caca? Ouais, 62 caca. Bon, elle est où elle? Ouais. Waouh, j'ai fait de la lumière, dis donc, on se croirait dans Majora's Mask, c'est impressionnant. Oh, il y en a un qui s'est fait illuminer tout seul. Je ne voulais pas que tu sois. Attention, il y a une Kana King. Ah, bah là, les ennemis ils sont tout aussi. Oh, elle s'est fait toucher, la. Mauvaise. Bon, disparaissez. Sortez. Vous sortez. Alors, cette pièce est très... très soit elle est très chiante, soit elle est super facile. Ça dépend de l'envie, du moment. Bon, le truc, il est encore dans la lumière. Je devrais être tranquille. Elle a jamais été dure. Hein. Ah, bah non. Sauf quand on s'appelle Zelda Retro. Pip, pip, pip. Ouais. Oh non, la plateforme est resetée. Que vais-je faire? En vrai, s'il y a un moyen de passer là-haut direct, je suis preneur. Hein. Mais bon. J'imagine qu'il doit y en avoir en plus. Un moyen. Est-ce que tu pourrais faire le coup que je te demande? Ouais, voilà celui-là. GG. Allez, Médoli. En avant! Économiser, économiser. Faut vraiment, avoir l'épée sortie, ça ne veut rien savoir. Voilà. C'est tellement plus pratique pour viser ça. Je vois pourquoi j'ai libéré Spo. Faut jamais libérer Spo. Hein? En FPS? Ouais, elle a vu FPS. Elle est tellement bien pour cette énigme. Médoli, une fois de plus, très intelligente. On va devoir l'amener. Comme avec un babysitter. Ça aurait pu être cool aussi dans Majora's Mask. Des partenaires? Non, la visée en first person. Ouais. Le mirror. Ah oui, clairement, parce que le mirror de... Oh, mon dieu, mais je n'ose pas descendre. Au secours.
Oh! Parce que pour le coup, contre Majora, ça aurait été vraiment sympa. Je suis vraiment une gonzesse, j'ai trop peur. Quoi? Pardon? Je monte, pardon? Oh non! Allez, monte! Scoo! C'est bon, elle a réussi. Elle a fait le pas. Vous disiez où Ezra? Je sais plus, j'ai oublié, c'est que c'était pas important. Ah. Bah, tu parlais de la visée FPS pour Majora's Mask là. Ah oui, je disais que ça aurait été bien sur Majora. Ouais. Enfin, sur le boss, Majora. Puis du coup, je t'ai dit que je trouvais ça nul à chier dans OOT le bouclier miroir, justement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont arrêté de faire ça, je trouve, parce que je pense, parce que bon, ça marche pas bien quoi. De viser avec un bouclier pour faire des rayons de lumière, quand c'est précis, ça fait chier quoi. Tu sens que ça passe pas quoi à un moment donné. Putain, Sky, un peu de variété dans vos blagues là. S'il vous plaît. J'avoue. Même Wizra se permettrait pas quoi. Crains ma puissante lumière. Et pourtant, je suis vraiment le bas de l'échelle. Ça, c'est vrai. Mais pas aussi bas que Zelda par contre. Ça, c'est vrai. Pardon. Ça, c'est vrai. Allez hop, ça dégage. Viens, possède-moi. Impressionnant. Koubet. Je sais pas c'est quoi la blague de Koubet. Oui, bah en gros, c'est les jeunes de nos jours, ils font. À la place de dire fur, ils disent quoi Koubet. Ça veut dire. Bah, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi dire. Ah d'accord. Mais rien. Ah d'accord. Vous êtes bien bizarre, vous les jeunes. Hein. Alors, me mets pas dedans, s'il te plaît. Oh, j'ai raté. Oh, il rate tous ses skips, ça se passe mal. Hein. Autant c'était juste une feuille d'or de myrte. Oh, il s'est fait toucher par la. C'était dommage mauvais. T'es mon dieu. Le grand-père ne m'avait jamais dit qu'il existait des personnes aussi. Attends, ça vient d'où déjà? Mais Zra l'a fait cette blague? Bah, je l'ai pas entendu. Non, mais il y a une différence. La différence, c'est que moi je l'ai faite au second degré, pas au premier. Parce que je sais moi-même que c'est de la merde. Et vous, David, vous la faites cette blague? Vous êtes jeune après tout. Êtes jeune. C'est vraiment cool d'être jeune. Donc en gros voilà, si t'es doué, tu vas juste sur le toit ici et tu reviens et là tu prends le trésor comme ça avec le boomerang. Mais putain, c'est vrai que c'est une Pokéball, j'ai oublié ça par contre. Ah oui, c'est vrai, j'avais une Pokéball, tiens, j'ai même pas remarqué que j'avais une Pokéfion. Pokéball. Un Pokéfion, ouais. Ouais, sacré Pokéfion. Bon là c'est le meilleur mini boss de l'histoire. Jamais je fais cette blague, ah d'accord. De crever, ah d'accord. C'est raté. Ah, toujours aussi rapide, Link, hein. Voilà. Oh, la Bikki. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans ça? Hein? Qu'est-ce qu'on aurait fait sans la Bikki? Je vous le demande. Bon bah du coup, ça veut dire qu'on va encore skip l'énigme des miroirs. Ah, Sky va pas être content. Ah, ah, oh. Salaud. Salut. Rebonjour le donjon, ça fait longtemps. Hein. Ils sont pas désagréables ces temples, ils sont juste longs et chiants. Non, même pas dur en fait, c'est vraiment tu t'ennuies quoi, quel ennui. Heureusement que le gameplay est bien et super fluide hein, par rapport à OOT qui est la rigidité incarnée. N'est-ce pas? Ça vous choque hein, le meilleur jeu du monde c'est un jeu full rigide qui tourne à 15 FPS, vous y croyez? J'ai du mal à y croire. Moi aussi.
Allez, Medoli. Du coup, Medoli, pourquoi elle a pas vu de vue FPS? Parce qu'on s'est dit c'était trop chiant, sinon à faire. Donc il faut qu'on se fasse chier un minimum. Il s'est fait mal après avoir triché. Tricheur. Ouais, tricheur, j'ai fait le chant de la mélodie de marionnettiste pour contrôler Medoli. OT, c'est de la merde. Ah, quand même, j'aurais pas dit comme ça, mais. Je vois mal qui tu joues sinon. Tu joues en FPS? Oh, mais je parle pas de jouer en FPS non-stop, je parle de faire comme Link. Un non-œil, là, quand je joue Link, là, voilà, je vois que je suis Link. Pourquoi quand je joue elle, elle a pas genre un non-œil là aussi, et je fais ça avec elle? C'est ça que je veux dire. Je parle pas d'être dans un jeu en FPS. Après, tu réponds à tes questions, je pense que c'est pour ça, mec. Allez, hop. Vous allez rejoindre with the Sky, hein. Sur le banc, hein. Malheureusement, on n'est pas au football, ni au basketball, ni à aucun autre sport. En ball. Ouais, sacré ball. Pokéball. Oh, ne roule pas. Est-ce que toi aussi tu penses qu'avoir 30 boules c'est beaucoup trop? Oui. Ouais. On est d'accord. Mais tu veux bien. Oh, arrête de l'appeler. Quelle idée de mettre tous sur la même touche. Le banc des champions. Ah, ah oui. Et bah, c'est le banc. Des bannis. Allez, au revoir, Sky. Oh merde. Oh. Non, tu l'as vraiment vain? Non. Il me mord de ta cire. Arrête de me suivre, Medoli. Ta pauvre sœur inexistante. Ouais, ma pauvre sœur. Ah d'accord, d'accord David, ça va, visiblement. Y a pas que Nintendo qui recycle. Hein. Regardez, regardez notre nouveau jeu avec les mêmes graphismes sur le sol, les mêmes effets sonores et les mêmes musiques. Ils ont rajouté un pouvoir qui permet de passer à travers le sol. Comme ça, les runners, ils diront plus qu'il y a des glitches. Ce sera vraiment dans le jeu qu'on passera à travers le sol. Oh, le chien. La blague de ta assure. Bon, il est où mon Gomode là? Dans ton cul, probablement. Ce running gang me fait rire. Ouais, bah, écoutez, au moins il y a une personne qui rigole. C'est déjà pas mal. Le prochain objectif, c'est d'en faire rire deux. Ouais. Faut pas gagner, hein. Moi je suis jamais arrivé. Hein. Bon, bon. Par exemple, c'est compliqué l'humour. C'est une chose. Bah, en fait, l'humour, c'est une chose très abstraite parce que suivant la personne, ils ont pas le même. Donc c'est compliqué. Ouais. Regardez, il y a des personnes qui rigolent bien de Kev Adams. C'est la preuve qu'il y a de tout. Hein. Moi je rigole au caca dans les rangs. C'est le fiable. Vous avez pas d'humour en même temps. Moi j'ai pas d'humour. Caca boudin. Il y a bien des cons qui rient des pets. Ah bah ça. Ah bah vraiment, moi l'épée ça me fait rire. Ah, là je reconnais bien Wizra. Bon, notre dernière clé, sinon on était bloqué, de façon. Ouais, c'est marrant quand ça fait plus. Oh putain, le lag. Tu vas voir, ça va encore être la lettre. Une lettre de merde qui va avoir mon go mode. Une lettre qui va pop quand j'aurai fini ce donjon, c'est pourquoi. Moi ce qui me fait rire c'est le bruit, c'est les vidéos avec des bruits de tueurs en métal qui tombent. Très marrant. Moi c'est l'ASMR. J'adore rire de l'ASMR. L'ASMR c'est trop bien, arrête. Ouais. N'importe quoi. Truc en métal qui tombe, bah oui des tuyaux genre. Bon. Des tuyaux, des tuyaux en métal. Des tuyaux en métal. Tu es révélé. Link, tu pourrais peut-être réfléchir ton bouclier sur mon rayon magique. Quelle bonne idée, Medoli.
J'y avais pas pensé. Rayon magique. Les bruits de chute hyper exagérés, ouais. Alors moi, je pense que Davy, il adore les blagues To Be Continued à la Jojo, là. Avec la musique, là. Et c'est pas Métatone. Que je sais même pas si je t'en avais parlé, mais tu sais que depuis j'ai en tout cas niveau animé, j'ai maté tout Jojo. Ah ouais? Et niveau manga, je suis à entre guillemets deux parties près, presque à tout. Ah ouais? Bah dis donc, c'est très impressionnant. Peut-être un quart de cœur un jour, hein. Dans ce jeu, il y en a 44, hein, on rappelle qu'il y a 40 quarts de cœur dans ce jeu de merde. Enfin, non, le meilleur Zelda 3D. Par contre, vraiment, pour revenir au bruit de tuyau en métal qui tombe, j'ai un mob sur mon Opera Jinx qui remplace mes bruits de clavier par des bruits de tuyau en métal qui tombe. Clang, 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 clang. Alors, je n'imitais pas un chinois, je faisais bien des bruits de tuyau, rassurez-vous. Mais c'est vraiment ce que ça donne. C'est marrant. Ou là, sinon, j'ai un mode où quand j'ouvre une fenêtre, enfin un onglet, et que j'en ferme une autre, c'est Morsay, il dit des trucs. Les chutes hyper bruyantes, les sons saturés qui arrivent par surprise, le e-rape, c'est terrible. Allez, une case de plus à cocher, Sky. Vous vous souvenez qu'à l'époque, on avait fait le Zelda Bingo? Ça a jamais marché parce que le monde s'en foutait. Mais c'était bien, hein. C'était vraiment bien. Et quand on faisait des bingos, moi, je m'en souviens. Bah, il fallait que je tire au sort des trucs à faire qui étaient chiants pour moi. Et voilà, je suis bien content qu'on le fasse plus parce que c'était vraiment chiant. Et je me souviens, et je me souviens surtout que c'était un sacré flop. Bah ouais, en même temps, tout le monde s'en foutait, quoi. En même temps, comme tous les projets que j'ai entrepris dans ma vie, hein. Lié au stream, évidemment. Alors, la partie de tous les projets, ça me concerne pas, mais le Zelda Bingo, ça me concerne, je m'en foutais. Bah ouais, en même temps, c'était juste un délire, quoi, qui est parti beaucoup trop loin, donc bon, tu m'étonnes que... En même temps, bah c'était pas marrant ni pour toi ni pour les gens, quoi. Bah voilà. Vous direz ça à Lady. Pourquoi elle aimait bien? Bah c'est elle qui a fait le bingo et tout, donc bon. Ouais. Imagine qu'elle a dû. Ah ouais. Alors soit elle l'a fait parce qu'elle se disait ah oh, il aime ça, on va lui faire. Soit bah je sais pas en fait. Alors Lady, si tu écoutes cette VOD. Non, elle écoutera pas la VOD, j'en suis certain. Elle regarde pas mes vidéos. Là, c'est pas grave, laisse-moi finir. Non. Je m'excuse, mais je le pense entièrement. Mais tout ce que j'ai dit, je le pense entièrement. Je prends le pas mal, Lady. Hein. Tu vas survivre. Tu es une personne incroyable. Ah, c'était pas ici qu'il fallait l'amener, quelle vie de marde. Oh, c'est les dombas, chiant cette énigme, une chance qu'on la skip, hein. Allez, casse-toi. Bon, je sais pas s'il y a moyen de la skip direct. J'aimerais bien, si je pouvais le faire, je le ferais. La skip immédiatement, mais malheureusement, je crains qu'on ne puisse point. Mais vous allez voir, Wizard, du coup, en quoi ça consiste. Et du coup, ça se trouve, dans le speedrun, vous allez apprendre... Bon, vous allez sûrement apprendre à passer à travers les murs, ce qui est pire. Parce que je pourrais passer à travers les murs, Sky, mais voilà, hein, je le fais pas. J'ai encore un respect pour ce jeu. Ah, c'est pas parce que tu passes à travers les murs qu'il n'y a plus de respect, hein. Ah ouais, ouais, après tout, c'est... Dans Tears of Kingdom, on pourra le faire, donc... Ce sera une feature de gameplay, hein. De passer à travers les murs. Ah, Nintendo. Il était content, hein, nous, en plus, il était content. Il était content, il montrait sa merde, il était content. Il était content. Il est content. N'empêche, j'ai été choqué que Sifano, il dise que c'est une que c'était une déception pour lui, quoi. Lui qui est le premier à dire que c'est formidable à tous les coups. Franchement, je suis très impressionné. Je suis impressionné, monsieur Sifano. Si vous écoutez cette VOD, lol, très impressionné. J'ai une théorie comme quoi Sifano est un Zelda sexuel, genre... Il est pas attiré par les meufs, par les mecs, par tout ce que vous voulez. Non, il attire juste par Zelda. C'est comme Frodon avec son anneau. Mais de quoi vous parlez?
genre... Ah oui, en faisant ça, on évite la cutscene en plus. Ah, oh, ça, c'est le génie. PTDR, t'es qui, hein? Donc voilà, là, on va faire la magie. Donc là, en fait, c'est pas très dur. Il suffit d'aller sur la queue de ce scorpion. Et comme je l'ai déjà dit, s'il ne l'avait point modélisé, eh bien, on ne pourrait pas faire le truc. C'est quand même con, hein. Donc, continue à modéliser des côtes scorpions, c'est parfait. Et là, on va aligner Medley. Pour qu'elle daigne, voilà, daigne, hein, c'est compliqué encore pour elle. Allez, illuminer ça. Tu vois, c'est un cauchemar. Le stick, là, c'est un cauchemar. Tu vois, regarde comment c'est un cauchemar, le truc. Regarde comme c'est un cauchemar à manipuler. C'est vraiment de la merde. Il faut que je retourne. Il faut que je mette un autre angle. Parce que là, elle est pas contente. Oh, quel enfer. Tu vois comment tu perds limite plus de temps à devoir bien la calibrer qu'à faire l'énigme, quoi. C'est comme hallucinant. C'est bon, enfin. Ouais, c'est bon. Donc là, après, tu vas te mettre là où il y a l'énigme. Enchanter l'énigme, hop. Moi, c'est où il va. Et là, on va viser ce nanoeil-là. Alors, on dirait que c'est pas possible, mais en vrai, ça peut l'être. Alors, vive la vue FPS, sinon on pourrait jamais la voir. Et voilà. Et là, l'énigme est résolue. Et voilà, Wizra, j'espère que vous avez pris des notes et que vous ne ferez jamais ce truc. Ouais, j'ai trop pris des notes là. Surtout depuis mon lit. Ah, parfait. Car que des Argus, peut tenir des balles. Chercher une blague, mais j'en ai pas trouvé. Donc je vais juste rien dire. Ça va être une lettre de merde, hein, tu vas voir. Pourtant, c'est simple, hein, une queue de boule, enfin bref. Depuis quand vous faites des blagues sexuelles, Davy? Vous connaissez pas comme ça? La présence de Wizra qui vous rend comme ça? Je pensais vraiment qu'au début de la question, elle était vraiment pour moi. Je vais dire, bah attends, Zelda, tu me connais pas ou ça se passe comme ça? Ni même pas. Mais je... Sky, on en a déjà parlé beaucoup de fois. Hein. C'est pas parce que je ne lis pas tes messages que je ne les vois pas. Oui, j'ai vu que Sif y met des trucs pour faire cliquer. Oui, je l'ai lu. T'inquiète. Qu'est-ce que t'as dit? T'as parlé de la queue, des queues. C'est drôle, des queues, lol. Des R. Des bites, quoi. Moi, je connais des culs, mais bref. Moi, je connais des culs, mais c'est un arbre. Ouais. J'en connais un autre, mais c'est pas un arbre. Ah oui, la queue de Lézargus, elle est très pratique. Je ne sais pas ce qu'il fait avec sa queue, Lézargus, et... Eh bah écoutez. Et je veux pas le savoir. Réagis dans ce cas. Bah écoutez, je suis désolé de pas être un. Hein, pas être Siphano quoi. Pas de réagir à tout. Ah ça non, il réagit pas son chat. Ah ouais? Ah non, il réagit à ce qu'il voit dans les jeux. Oh ça y est! Le Gomo est là. Pas Enali. Comme le dernier site d'ailleurs. Un grand. Peut porter des balles. Et voilà, Go Mode. Facile, easy, simple. Facile. Une fois de plus, déconcertante. On a combien de quarts de cœur? On ne sait pas. On en a zéro. On n'a pas trouvé un seul quart de cœur de toute cette seed. Je l'avais déjà dit qu'on avait 44. Non. Oh, ça ira. Ça va aller. Le truc qui m'énerve, c'est que j'ai pas de bouteille et donc j'ai pas de soupe. C'est ça qui est un peu plus tendax, mais ça devra aller. Ça devrait pas être très difficile, j'ai déjà fait en 3 coeurs ce jeu, il est pas très difficile à faire en 3 coeurs. Donc... Il porte des balles avec sa queue. Ouais quand même. Non, deuxième seed, non, il est déjà 4h30 du matin, demain je dois partir, demain j'ai rendez-vous au coiffeur. Pour enfin tirer tout ça, vous voyez c'est la dernière fois que vous voyez cette longue tignasse digne de... Voilà, je sais pas. C'est dommage. Voilà. Il va avoir une vieille coupe avec les cheveux courts. Ouais, ouais. Je vais redevenir un connard, quoi. Ouais. C'est quand même triste. Hein. Ah. Bouh.
Go raser la tête. Non, 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 je rase pas, je suis juste coupé court. Puis c'est ça. Puis après, je suis tipard jusque samedi. Vous ne me verrez plus, je ferai potentiellement un stream samedi soir, mais ça m'étonnerait. Et dimanche, bah... je dois dormir tôt parce que je vais travailler le lendemain. Youhou. Du coup, il n'y aura sûrement pas de stream, ou bien ce sera dans la journée, quoi, mais ça m'étonnerait. Ça ouais, m'étonnerait. Écoute, en tout cas, si t'as envie de mourir, n'hésite pas à m'envoyer un message quand tu seras là-bas. Ah oui, bien sûr. Je n'hésiterai pas à le faire. Il n'y aurait pas une seule seconde. Ah. Le thème d'accordéon man. Pip, pip, pip. Oh, je le pousse dans le mauvais truc. Oh, c'est possible, ça. Bah écoutez, je voulais tester. Je voulais tester s'il fallait vraiment pousser dans les gros troncs de pics dégueulasses, là. Ou si ça suffisait de viser n'importe quoi. Alors vous savez que vous êtes obligé de faire ce boss en 3 phases minimum, parce qu'une fois que vous en tuez 5, il passe il se régénère automatiquement. Et j'aime beaucoup faire ce boss, ça fait très longtemps que je l'ai plus fait, avec la méga circulaire de la mort. Parce que c'est très cool à faire. Voilà. Vous le saurez. Voilà, là j'en ai tué 5. Donc là, il n'en reste plus que 5, normalement, ils sont 15. Pipilu. Et la flèche de lumière pour ce boss, c'est craqué, hein. Finalement, le bouclier miroir, il sert à rien. Comme dans Majora's Mask. Comment il a servi pour des énigmes. C'est vrai. Mais bon, si on peut se passer à travers les murs... Et voilà. C'est pas faux. On a la Triforce, il reste plus qu'à finir le jeu. Et finir le jeu, c'est en logique, hein, on sait. Donc on sait que Ganon Tower, c'est Foolish Choice, donc ça veut dire qu'il n'y a rien à la tour de Ganon. Alors niveau des mails, on a fait... on n'a jamais fait Orca, je sais pas pourquoi. On n'a pas fait Ariel non plus. En même temps, il faut finir des donjons qu'on n'a pas à faire, donc... la logique fait qu'on n'a pas à se les taper. Oh, il y a un crâne au milieu du truc, que va-t-il se passer? Je vais cracher. Moi, je pense que le jeu va dire que t'as un grip de bugger. On n'est pas sur mode loader, tout va bien. T'as pas de preuve? Ah bah, il reste à côté, c'est très mignon. J'aurais bien aimé être dedans, mais... La prochaine fois, je ferai exprès, je placerai un crâne au milieu de la Triforce, là. Pas rigoler. Bon, il reste plus qu'à finir le jeu, hein. Franchement, c'était facile. Ce fut d'une facilité déconcertante. Oh, la scène était sympathique. On a fait tous les checks, hein, évidemment, comme d'hab. Mais les checks étaient relativement courts à faire. Ces settings-là sont vraiment très rapides. Pour faire du 2h, 2h30, c'est parfait. La tour des dieux. D'accord. Le menu le plus long du monde. Hein. Alors, on prend quoi? On prend évidemment l'arc. Le boomerang et les bombes devraient faire l'affaire. Peut-être qu'il fallait que je mette la feuille plutôt pour aller jusque chez Ganon, mais c'est pas grave. Ah, on n'a pas fait un check, on n'a pas fait Hyrule Castle, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que le jeu va enfin donner de la magie avant la fin du jeu? C'est étonnant. Thank you.
N'empêche, il est full silencieux, ça fait limite peur. Hein. Ah, Wizra est très silencieuse, elle s'est peut-être endormie, hein, comme à l'époque. Vraiment pas. Ah. C'est plus l'époque où elle s'endormait devant mes streams. Hein. Les temps ont changé. Parce qu'avant, Quizra, t'avais une capacité de t'endormir instantanément au milieu d'une conversation. Je sais pas si tu l'as. C'est toujours là. Hein. Ah, tu l'as encore cette capacité légendaire. Ah. Ouais, qui fait plaisir. Ça va pas tarder. Ouais, ça va pas tarder. Non, mais de toute façon, là, je finis. Donc, regardez, c'est la dernière fois que vous verrez ce magnifique Draco Feu. Ah oui, magnifique, aussi beau que dans un jeu Pokémon. Ah, regardez-moi ce ventre si détaillé. Et les ailes, finalement, Pokémon Arceus, pas être jaloux de ce jeu de 2002. Ah merde! J'arrête. C'est trop facile de taper sur les gens quand ils sont déjà à terre. Mais j'aime ça, parce que je suis un connard. Nana. Il est tellement beau ce ventre. Je suis presque jaloux. Envie de s'assoupir dessus, donc. Piliou. 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 Ça va, c'est chiant, hein. Pidiou, 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 pidiou. J'ai déjà dit cette musique, faudrait que je la mette dans un donjon méga chiant dans un de mes jeux. Un donjon qui dure une heure avec cette musique en boucle. Les gens en ont marre. Pidiou, pidiou. Et hop là, ça dégage. Et hop là, ça dégage. Oh là 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 là. Et hop là, ça dégage. Lui, on va le tuer vraiment parce que sinon, on va se faire avouer. Donne-moi la magie qui est ici. Alors, j'arrive jamais à le tuer, lui. Ou un des deux, même. Ah bah, pour une fois, j'y suis arrivé. Et voilà, on est devant la fin. Ça a été vite, hein. Oh, il a encore fait pipi. Maudit canon. Rapidos. Koopa Rapidos. Sa petite boule jaune là. Sa petite boule jaune. Ah, j'ai pas visé la queue. Pote. On va viser juste la queue. Et là, elle coupe tout de suite. Tu comprends pas pourquoi parfois ça coupe tout de suite. Pourquoi ça. Parfois ça fait taring dessus. Ça restera une énigme. What the fuck? Où est partie ma flèche? Ouais, what the fuck, c'est nouveau. Je viens de l'inventer. Bon, ça, je suis nul. Voilà, ça, je suis moins nul. Où il sera fait dodo? Oh, il sera fait dodo? Oh! Des flèches, par pitié. J'en ai pas assez pour finir le combat, sinon. Faudra clipper. Non, non, mais il y a déjà eu un clip de Wizra qui faisait dodo. Sur cette chaîne. À l'époque où je faisais des hacks de Mario 64. C'est dire.
C'est drôle de quand ça date. Ça fait trop. Ça date de trop, hein. De trop longtemps, n'est-ce pas, Wizra? Ça fait longtemps que vous avez plus de dos en stream. Ouais. Ah, c'est à vous de voir si vous restez. Il reste approximativement 5 minutes. C'est. Oh non, t'inquiète. Ok. Encodage en surcharge, mais c'est bon, il y a juste Dolphin et Discord en même temps. Mais c'est de mort. Il faut choisir, c'est l'un ou l'autre, pas les deux. Aïe 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 aïe. Bah la prochaine fois, on verra s'il y a un Vavok pendant que je fais du Wind Waker. Mais bon, t'étais là, donc je vous avais sous la main, oui. Puis c'est vous qui avez proposé de rester en vocal, au fait, surtout. Oui, mais moi je m'attendais pas à ce que vous soyez. Bah, je t'avais dit que j'allais faire du Wind Waker. Non mais à la base t'as dit je sais pas si je sais. Ah oui, j'avais dit j'étais pas sûr, mais là... Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est si magré, Link? Ça c'est parce que je suis un casu. Moi, je propose que pour cette zone, tu mérites un game over. D'accord, on va mourir. Bon, on verra si le jeu me tue. Toujours aussi top à Fortnite, hein. Oh mon dieu! Bon, je pense que le dernier, je vais le faire à la... Je vais pas prendre de risque. Même si là, il fait juste des ronds, ça aurait pu passer. Ah, évidemment, tu te caches jusqu'en... Voilà. Et voilà. Qui a dit que ce boss était difficile? Et hop là. Ouais, il fait pas de bruit, c'est pas drôle. Eh oui. Pas de bruit pour toi aujourd'hui. Mais non. C'est raid, hein, quand on s'appelle raid, on est chiant. Forcément. Ouais, malheureusement, la gêne, c'est de la merde. Ah, la dit. Aïe, 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 aïe. Faites attention, vous risquez d'être pendu pour avoir dit ça. C'est vraiment de la merde, hein, Pokémon. Red, bleu, enfin rouge, bleu et jaune, c'est de la merde. Rouge, feu, vert, feuille, c'est de la merde aussi. Let's go. Bon, ça, je vais même pas en parler tellement c'est de la merde. Faites-vous votre préféré, c'est épée bouclier, quoi. Oui, de fou, oui, bien sûr. Ah, parfait. Parfait, ça va, je comprends. Non, en vrai, votre préféré, c'est quoi? C'est noir et blanc qui reviennent souvent? Non, non. Pas noir et blanc. C'est pas du tout. Platine. Mon préféré, c'est... Non, vraiment pas. La 4G, c'est vraiment un chier. Bon, j'en sais rien, moi. Soleil et lune. Non, toujours pas. C'est vraiment cristal et émeraude. Bah voilà. Donc 2G et 3G. 2G, bah c'est or et argent, hein, 2G. Oui, et cristal. Et cristal. Et toi, Sky, c'est épée bouclier, hein. Oh, regardez-moi ce Ganon. Attends, qu'est-ce qu'il a, le Ganon? Non, il est si blanc. Alors, il peut peut-être me tuer si Zelda décide de ne jamais bouger son fion. Ce qui peut arriver, hein. De toute façon, là, il faut que je lui fasse du damage, donc bon. Vas-y Zelda! Vas-y Zelda! GG. 4G à chier, pardon? Quoi? Ah, c'est 4G, ça a chier, Sky. Et voilà, c'est dit. Non mais genre, c'est chacun son opinion! Calmez-vous! On n'est pas sur un débat de guerre, là. Oh my! Ah d'accord, le truc continue à ta. Ah! Bon, j'avais anticipé ma death. En même temps, j'étais dans son corps, je pouvais rien faire, quoi. J'avais anticipé ma mort, c'est pour ça que j'ai ouvert le téléporteur.
J'avais prévu ça à la mort. Ouais, j'avais prédit ma mort aussi. Parce que je sais qu'il fait super mal et le combat était, avait mal commencé. Ah, autant la 5G, elle a un bon deck, ça a des bonnes musiques. Le scénario, c'est pas très grave, la mort. La mort n'est pas très grave. En 4G, y a rien de bon, tout est acheté. Le seul truc qui est bien en 4G, c'est Battle Revolution et Heart Gold Sun Silver, c'est tout. Et voilà, ah, Sky. Vraiment. Et bim! Ah, sinon, on se fait chier, hein, vraiment. On se fait chier. C'est vide. Ah, ça. Ah, sinon, on se fait bien chier. Ah, on se fait bien chier. Épée bouclier, bébé, j'en entends souvent parler en mal. Vous allez voir, ça va être mon premier Pokémon juste pour vous énerver. Puis je vais dire que c'est un jeu de merde, et du coup je vais me dire que Pokémon c'est de la merde entièrement, et du coup je vais jamais continuer les autres, c'est mon plan. Le bouclier c'est juste mid, c'est vraiment pas fou, c'est juste mid. Platine, best. Ah bah écoutez. Non c'est de la merde, vraiment. Aïe aïe aïe. Le jeu est lent, les combats durent des plombes, la barre de vie elle descend à 2 à l'heure. le Pokédex, la moitié des Pokémon, c'est des Pokémon réutilisés des autres générations. Je pense que je vais arrêter ce stream au plus vite. D'ailleurs, vous savez qu'on est, on n'est pas en logique hein, en ce moment sur le randomizer. Oui. Parce que j'ai pas la double magie. Hein. Normalement, il faut la double magie pour faire le mini-jeu des piafs et ça donnait la flèche de lumière, donc... Oui, la GSC, ça va beaucoup. Ah, parce que c'est de la 2G, c'est... Voilà, là, tu vois, tu peux jamais le taper, check ça. Tu vois, il se passe rien. C'est... Il est mystique. Et pourtant, Dieu sait que dans la 2G, la barre de vie aussi est un peu lente, mais pas au point de la 4G. Allez, c'est quand tu veux, Zelda. Hein. Franchement, rien à dire. Hein. Et ouais, bah oui, tu vas le rater, il saute, forcément. Grognasse. Allez, Zelda, c'est quand tu veux. Hein. Pas de problème. Hein. C'est bon, la barrière ne me fait pas mal. C'est quand tu veux, il est en train de rigoler là. Connasse. En fait, je sais que vous pouvez lui parler et ça va directement la faire tirer une flèche, mais je préfère rester à distance. Oui, c'est vrai qu'il a vraiment une face très étrange, Ganondorf. Alors, la plupart des speedrunners, ils préfèrent rester loin et pas l'attaquer. Je sais. Parce qu'il peut faire des surprises. Donc, ils préfèrent rester loin. Et faire un coup spécial qui marche pas parce que le jeu est bien foutu. Évidemment. Hein. Vous avez déjà parlé du système de combat de ce jeu? Je pense que tu t'en as déjà parlé. T'as aussi parlé des donjons, je crois aussi, mais je suis pas sûr. Ouais, bon, j'ai compris. Je sais pas comment les speedrunners ils font pour avoir l'alignement parfait qui te troll pas, hein, mais ils font chier. C'est bon, bravo Zelda, vous avez réussi. Je crois juste que tu dois pas être trop en diagonale, il me semble, et juste avoir assez de distance. Et voilà. Bon, une petite mort, mais c'est pas très grave. C'est rare que je meure dans le jeu, c'est très très rare. Très très rare de mourir. C'est compliqué. Ouais. Mais d'habitude j'en ai 4-5, c'est ça. Là j'ai pas eu un seul quart de cœur. En même temps j'avais coché peu de choses, hein, vous voyez, c'était très court. D'habitude on a beaucoup d'occasions de faire de la merde avec toutes les side quests qu'il y a à faire et tout, on a souvent de la merde et des quarts de cœur du coup. En faisant les checks, puis il y avait que deux donjons à faire. Mais ça va, ça m'allait. J'avais pas envie de faire une longue site ce soir, il est bientôt 23h, c'est déjà trop tard. Et ouais. Bientôt 23h, pendant ce temps en Europe. Il est 5h du matin. Ah mais excusez, pardonnez mon impolitesse. Faut que je vous laisse la meilleure musique du jeu quand même. Bon. Alors il y a Icy qui stream du shuffle ou Lady qui fait du RP. Red Dead hein, bien sûr. C'est bien ça. Hein. Ouais c'est du shuffle. Franchement je sais pas ce que je préfère entre les deux. J'ai pas de... Ah bah malheureusement on va pas te savoir à ta place. Et non. Bon, en tout cas, la prochaine fois, par contre, que je ferai du Dolphin, je vais éviter de... Je vais mettre la musique plus fort. Puis je vais vous dire au revoir. Voilà, Wizra va être un peu enterré par le son du jeu. Pour la fin. Au revoir YouTube, au revoir Temps Fort. Ce fut génial.